Docteur Nico House. Je suis accompagné aujourd'hui de notre ami GFX. Salut GFX. Salut tout le monde. De notre ami Yuyu 9222. Salut Yuyu. Bonjour. De notre ami Hachibi. Bonjour Hachibi. Salutations. Et de notre maître à tous, Majemo. Bonjour Majemo. Il paye sérénité, assassin. Donc, si vous ne les connaissez pas, c'est que vous êtes dans le coma, comme j'ai envie de dire. Ils font partie de Assassin's Creed Origins. Donc, une chaîne communautaire dédiée à Assassin's Creed. Hein. Tout est dans le nom, j'ai envie de dire. Donc, aujourd'hui, on est réunis tous ensemble pour faire le petit interview dont vous avez beaucoup parlé sur Facebook et tout ça. Donc, on va commencer. Donc, déjà, on va vous présenter un petit peu. Donc, d'abord, on va commencer par GFX. GFX, quel âge as-tu? J'ai fait 16 ans en novembre 2012. Donc, je suis assez jeune, un des plus jeunes du groupe, d'ailleurs, avec Yuyu. Et puis voilà, je joue à Assassin's Creed depuis bientôt 3 ans ou 4 ans. Réponds pas aux questions maintenant, j'ai fixé. Oui, c'est pas grave. Non, mais la question, c'est quel âge tu as? Oui, je sais, mais je me présente déjà, tu vois. Et puis, bah, où habites-tu, mon petit GFX? Dans le sud-ouest de la France. Ah, t'as du soleil tout le temps, là. Eh oui, mais là, il fait très moche, il pleut, si tu veux, mon ami. C'est étonnant. Yuyu, je réitère mes questions. Quel âge as-tu? Où habites-tu? Et puis, voilà. Alors, moi, j'ai également 16 ans, donc depuis juillet, et j'habite à Paris. Donc, voilà. Hachibi, je te réitère ma question. Alors moi j'ai 33 ans, je rigole. Non, moi j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans. J'habite à Montpellier et voilà. Majemo, pour finir. Bah moi c'est pareil, 19 ans, je vais sur les... Enfin, 20 ans en fin d'année quoi. Et j'aimerais habiter à Montpellier mais j'habite à Paris. D'accord. On choisit pas. Alors moi j'aurais voulu être une femme, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous amener la première question d'un abonné que j'avais oublié de poser, ça m'étonnant, de Brimax, qui l'a posé sur Twitter. Il voudrait savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, déjà, aussi, pour finir de vous présenter. Si vous faites des études, ou si vous... Alors, j'ai fait que ça. Ouais, ben en fait, ce que je fais dans la vie, seulement les études. Ouais, bah c'est bon, oui. D'accord, bah je suis en première S. Il y a pas mal de mes abonnés qui le savent, puisque vu mon inactivité ces moments-ci, en première S, et comme vous l'avez vu, ça me prend énormément de temps. Voilà. Yuyu, bah, que fais-tu dans la vie? Enfin, et bah également première S en fait. Et puis voilà, moi je gère pas de chaîne, donc je peux pas dire oui, voilà, mes abonnés ils savent que bon, c'est tout, hein, effectivement. Non mais donc voilà, c'est tout, je suis juste en lycée. Bah notre ami Hachibi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors pour ma part, moi je suis dans une école d'audiovisuel, cinéma d'animation, jeux vidéo qui s'appelle Objectif 3D. Donc bon voilà, il y a du scénario, analyse de l'image, histoire de l'art, du dessin, il y a un petit peu de tout, Photoshop, 3D, et puis voilà, ben... Bah... C'est un petit peu ce que je veux faire, je travaille dans ce domaine-là. Du coup, je m'éclate comme un enfant. Bah, t'as raison. Bah, ma Gémo, à ton tour. Moi, je sais que j'aimerais encore faire la même réponse qu'Hachibi, mais bon, c'est pas le cas. J'aurais aimé dire ça. Et je suis en prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Donc je galère comme un porc, et donc en fait au lieu de jouer, bah je fais des vidéos. Et donc c'est pour ça que je suis nul en fait quand je joue, c'est parce que je joue jamais. Comme ça je me trouve des prétextes. Mage, t'es en maths sup? Je trouve pas d'excuses, Mage, je me trouve pas d'excuses. Non, pas, je suis niveau maths sup, ouais. D'accord. Ouais, quand même, pas mal. Bac plus 1 en fait, mais... Ouais, donc tout le monde fait des études, quoi, en gros. Oui, voilà. En général. À notre âge, on n'est pas au chômage, hein, donc bon... moi je peux vous dire, j'ai quitté les études et puis le boulot en ce moment, enfin bon, ça c'est... Mais moi maintenant je suis une entreprise, hein. Je suis enregistré comme entreprise à l'INSEE, donc il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bien, tant mieux, puis j'espère que encore plein de bonnes choses pour vous, hein, de toute façon. Espérons, donc j'ai une question, attention, il va falloir remonter dans vos souvenirs. Quelle a été votre première console? Je pense qu'on est tous passés par la fameuse Game Boy. Ça vous a marqué. Avec Pokémon. Putain. Allez, les gens, ça me fait marrer comment on t'explose de rire en lisant Pokémon, alors qu'aujourd'hui, les plus grands youtubeurs et les gamers de notre âge, ouais, c'est des gros. Enfin, de notre âge, de l'âge plutôt de Hachi et moi, sont fans de Pokémon. Exactement, quoi. Bah c'est la rétro game. De la merde, non. Après, non, j'ai surtout un énorme souvenir de la PS1, avec tout ce qui était Tomb Raider, Tekken.
Gran Turismo, vous savez, Premier Gran Turismo. les jeux qui ont marqué l'enfance, quoi, tout simplement. Youyou, je te réitère ma question. Première console avec Alors, tes jeux. moi j'ai traversé la Game Boy aussi. Bon, vite fait, hein, avec Donkey Kong comme jeu, bon voilà. Tu m'as oublié, mort de ensuite, rire. ensuite bah, je suis passé sur la PS1 aussi, Crash Bandicoot, il m'a bien marqué ce Ah jeu-là. là là. Et ensuite, bah, PS2 et GameCube, et voilà, maintenant PS3, PC, et voilà. Tout simplement. Simplement. Bah Chibi, même question. Pour ma part, bah oui, la Game Boy, après je sais pas si c'était la toute première console que j'ai eue, enfin console, si on peut appeler ça comme ça. Après, ouais, non, moi j'étais un très grand fan de la PlayStation 1. J'ai pas eu tout ce qui était Dreamcast, Nintendo 64 et compagnie, hein. J'ai commencé par la PlayStation. Après, bon, je peux pas dire que mon père a choisi les meilleurs jeux, car quand je devais avoir, allez, 3 ans, il m'avait acheté mon premier jeu, c'était Resident Evil 1. Donc merci papa. Le Vous savez d'où sont mes crises des fois de panique ou je sais pas quoi, quand je pète un câble, hein, c'est voilà. Tu s'expliques Et quoi? puis voilà, non, mais après, je suis un très grand fan de Crash Bandicoot, j'ai adoré aussi les Spyro, Bomberman, enfin moi, il y avait plein de jeux sur PlayStation 1, je vais pas faire la liste, il y en a tellement. Après, bah oui, comme You, PlayStation 2, etc., Xbox, moi j'en ai eu plein après, donc voilà. Voilà. Mama Gémeaux, je te réitère ma question pour finir. Moi j'ai commencé avec un Tamagotchi et Ah, j'ai en marre. fait en fait non, je l'avais dit dans ma vidéo des je crois 3000 abonnés, moi j'avais un père informaticien qui était complètement PCiste et en fait j'ai jamais eu de console d'enfance en fait. Ma première console en fait c'était une PSP que j'avais acheté en cachette, mais sinon j'avais tout sur PC et j'ai commencé avec des jeux éducatifs, enfin mes jeux d'enfance moi c'est des jeux éducatifs genre Adibou. Et après, sinon, c'est Age of Empires sur PC, mais j'avais que des jeux PC. Mais des trucs bien. Justement, je jouais pas genre à Tomb Raider ou Resident Evil, quoi. J'ai commencé avec des trucs soft, calme, ou stratégie, ou éducatif, ouais. Point and click. Bah c'est pas mal tout ça, vous avez une belle enfance les amis, est-ce que je vois hein. Pas Bon, mal. alors ma prochaine question, alors je me suis fait un petit truc, c'est que j'ai pas regardé la toute première vidéo que vous avez postée parce que j'ai envie que vous m'en parliez, quelle a été votre première vidéo que vous avez postée sur YouTube. Bah j'ai fixe à toi. Alors, faut savoir que j'avais une autre chaîne avant GFX, que j'ai supprimée, où j'essayais de me lancer comme tout le monde dans le YouTube, avec bien évidemment l'incontournable Call of Duty. J'ai vu que ça marchait pas, c'était ma première vidéo sur Call of avec un vieux Dazzle de caca. J'ai arrêté, puis j'ai essayé de me démarquer avec un concept qui est celui-ci. Et vraiment, ma première vidéo sur ma chaîne là, c'est un gameplay sur le multijoueur où j'explique tout simplement le concept de ma chaîne. Bah c'est bien, Bah Yuyu, je te réitère ma question. Ah oui, alors moi ça va pas aller loin en fait. Voilà, pas de vidéo. Youpi. Walou, rien. Ah mais tu apparais dans mes vidéos, hein. Oui, Les après toutes oui, premières si on vidéos peut que parler t'avais de dans le mon monde nom répertorié après, ouais, sur ton si t'es chaîne. apparu dans une vidéo de quelqu'un d'autre de la CO, tu peux le dire, voilà, t'as Ah, vraiment ok. première Mais juste vidéo, son c'est pseudo, hein. que première vidéo. Donc c'était quoi? C'était la présentation, je crois, de la bêta d'Assassin's Creed Révélation Non mais avec dans Majemo. Brotherhood on avait fait Et des les vidéos ouais, hein, et les pour toutes les. premières, ouais, et les toutes premières, c'était avec Ouais. Majemo, ouais, sur Brotherhood, ouais, la bêta en La plus, ouais, bêta de au début. Brotherhood, ça Ouais. C'était c'est magnifique, trop magique. magique. C'était tellement magique. Bon voilà. Après c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Bah Ouais, bah oui. Chibi, je te réitère ma question. Alors bon, moi aussi, j'étais pas sur YouTube en fait. Avant, j'avais fait 3-4 vidéos, mais vraiment pour déconner, car c'est mon ami Mollusque qui m'avait dit, ouais, regarde, il y a des gens qui font des vidéos. Du coup, bah, je suis allé sur Internet pour m'amuser. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, je filmais, je crois, avec une caméra sur la télé, donc le genre de choses qui n'est pas toléré aujourd'hui. Et je me fais des vidéos à la con, je crois que c'était Worms 2, Zombie Apocalypse, enfin des petits jeux d'arcade comme ça. On avait bien rigolé. Peut-être qu'un jour je la posterai dans très longtemps sur ma chaîne, mais bon, quand j'aurai pas mal d'abonnés, parce que sinon là ça va pas passer. Et puis voilà, après je suis allé sur YouTube, avec mon ami Mollusque on a créé une chaîne. Et puis voilà, bah, après je pense qu'il y aura la question comment se rencontrer et tout, donc je préfère mieux pas dire après ce qui s'est Bah, passé, et puis pas de soucis. Ma Gémeaux, je voilà. te réitère la question. Moi, ma première vidéo, elle est toujours disponible. Hein. C'est Just Cause 2, Majemoz Trailer.
C'était comme j'étais fan de montage, j'avais fait ce montage sans doute sur Movie Maker. Et donc j'utilisais la capture vidéo qui était interne au jeu de Just Cause 2 sur PS3. Et donc là il n'y a pas de souci. Par contre après effectivement moi j'ai fait comme un peu les autres là, j'ai filmé avec une caméra. Et curieusement en fait au final ça marchait filmer avec une caméra. Ça marchait, les gens aimaient bien, que ce soit sur Assassin's Creed, Call of, parce que j'ai fait du Call of et en fait filmer avec une caméra, bah les gens aimaient bien ce que je faisais quand même. Mais bon après j'ai voulu faire plus pro et donc ma première vidéo en gros de sur Magemo 7 qui est ma dernière chaîne, c'est alors mis à part les mémoires de Christine qui au fait ont été sur les deux chaînes en même temps, c'est vraiment quand j'ai décidé de commencer le walkthrough d'Assassin's Creed 1 et de faire toute la série, ce qu'a fait JFX également, bah c'est vraiment Assassin's Creed 1, j'ai commencé la nouvelle chaîne comme ça. En fait, vous avez fait avec GFX et toi, enfin, en gros, toi, t'es sur PS3, puis GFX, c'est sur PC. Ouais. Non. Non, Non, PS3. je suis sur Non, PS3 PS3. si. Mais Ah, faut savoir. PS3, c'est pareil, quoi. Non, mais c'est Faut marrant. savoir que Majemo Mais est. on avait à peu près le même parcours, hein. Moi, c'est ça. J'ai dit, j'adore tellement Assassin's Creed. Mon concept de la chaîne, ça va être Assassin's Creed. Et de temps en temps, un petit peu des trucs à côté, mais. C'est sûr. Bah, y a pas de souci. Et Majemo est le précurseur, ça, c'est sûr. Ouais, ok. Ah bah justement, en parlant de plateforme, quelles sont vos plateformes que vous possédez chez vous? Donc j'ai fixe. Alors, j'ai une PS3, une PS Vita. J'ai perdu mon ancienne PSP. D'ailleurs, j'essaie de la retrouver en ce moment. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une PS2 que j'ai vendue, mais en fait, donc je l'ai pas. Je crois que la PS1, je l'ai gardée. Voilà, mais sinon, c'est PC, iPod. Donc, je sais pas si on peut appeler ça une console. Bah, vraiment console de salon quoi on va dire hein. Ouais, PS3, console de Xbox, salon, on va voilà. rester sur les consoles. Enfin salon puis portable maximum mais voilà. Ouais, voilà, donc Ouais. Un c'est iPod, vraiment. tu joues pas Assassin's Creed sur un iPod quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, Ah, moi j'ai joué si. à Du Assassin's coup, Creed sur mon RSDS. Magimo, tu dis pas Tamagotchi, ça compte pas comme une console. Hein. Exprès. Donc, ouais, mais majoritairement, ça sera PS3 et PS Vita, quoi. Ouais. Alors moi j'ai le PC, donc quelquefois je joue dessus, ensuite la PS3, la PS2 et la Vita aussi, ouais. Et un peu, voilà, donc c'est les seules vraies consoles auxquelles je joue, ouais, pour l'instant. Chibi, maintenant, si. Dire dans l'ordre, PlayStation, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3, oui, et je crois que voilà. T'as Bon tout bah ce qui. t'as gagné, bravo. Ouais, voilà, c'est champion du gagné, t'es monde, le allez. meilleur, ouais. Y a pas de prix, hein, désolé. Ah merde! Ah bah Si, désolé. si, le prix des consoles, si, il faut Je les vais prendre les acheter. consoles, ouais. On va lui faire un petit truc, ça va être sympa. Bah, Magimo, pour finir. Bah moi j'ai console de salon c'est que la PS3, hein. Après j'ai un PC. Le PC que j'ai actuellement je l'ai même acheté après la PS3. Et après si la PSP, la première, enfin la blanche mais c'est la première PSP quoi, la 1000. Ah Enfin, oui. La fat, la grosse. la fat ouais. La fat. Avec le port component qu'on peut pas brancher, qui est placé de sorte que tu peux pas brancher le câble. Donc pour faire Bloodlines j'ai dû emprunter une PSP d'ailleurs. Et emprunter le jeu à YuYu parce que le mien était pas compatible avec l'autre P avec la Slim, enfin bon. De rien, c'est Non, gratuit. ça arrive, ça des fois que certaines consoles prennent pas des jeux. Bah, j'ai un exemple même d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai un ami qui a la nouvelle PS3. Je lui ai prêté Prototype, je sais pas si vous connaissez, le tout premier. Ouais, on sait. Et il m'a dit t'essaieras chez toi parce qu'il me dit moi ça marche pas. Donc, et puis moi ça marche. Donc ça doit venir de la. Vu que la console elle est nouvelle et que le jeu il commence à se faire un petit peu vieux, ben ça arrive. Donc ça arrive même sur d'autres Ouais. plateformes et tout. Comme la Oui, ça. PlayStation 2, Steam est grosse. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Vous avez, il y a beaucoup qui ont dit PC pour jouer. Ça peut être considéré comme une console, je pense, selon vous. Enfin. Bah ça dépasse les consoles mais bon ça. Ouais, Le c'est mieux. PC clairement dépasse les consoles. Moi après personnellement je déteste jouer sur PC. C'est vrai Il que c'est dur, hein, c'est y une avait autre une prise en main. époque où j'y jouais pendant 2-3 ans, mais après ça m'a cassé les coronesses. Hein. Bah ça. Ou sinon Ah, c'était. tu peux aussi mettre une manette, donc après voilà quoi, tu peux mettre une manette Ah mais c'est Xbox. pas Ouais, une c'est question de vrai, mais jouabilité, bon. c'est une question de. Ouais, Bon, si. moi par exemple j'ai un superbe écran de télé, donc tous les jeux j'achète sur console. Sur PC c'est quand c'est vraiment. Enfin un jeu genre. Ouais, Portal joue sur PC ou quand enfin en même temps c'est normal, il y avait une promo sur Steam où dès que c'est des jeux de stratégie, il faut jouer sur PC. Mais. Pour les petits jeux, ouais, c'est sûr. Bah alors, deuxième, notre question, c'est qui fait des lives parmi vous? Enfin, des lives.
Je n'en fais pas parce que, et même si j'ai la fibre, mais si je veux une qualité optimale, ça lag et ça sature, donc je vais voir prochainement si j'arrive à régler ça. D'accord, you. Non, moi je fais rien du tout, moi. Moi je peux participer à des lives éventuellement, si on m'invite, mais sinon non, je n'en fais pas. Hibi, Bah moi j'en ai fait quelques-uns sur Twitch TV en tant qu'Hibi de ma chaîne, enfin Mollusque Company que j'ai avec Mollusque, et aussi sur la scène Creed Origins, j'en ai fait un ou deux je crois. Voilà. Et il y a aussi, comment dire, il y a un truc qu'on peut pas dire encore car je sais pas si la vidéo va sortir avant ou après celle-ci, mais là je suis chez Millennium depuis pas très longtemps, donc j'ai déjà fait un live et je pense en faire d'autres, donc c'est sympa. Ok, et ben Majemo. Moi j'en ai fait quelques-uns mais pour l'instant que sur des jeux PC parce que pour la console pour l'instant pour streamer c'est un peu compliqué pour moi niveau matériel mais pourtant c'est très faisable hein, mais c'est juste que faudrait que je déplace mon PC ou que je ouais. Et en fait moi enfin les lives en fait je sais pas si enfin je vais en faire de temps en temps mais c'est marrant mais en fait c'est bien si quand on a beaucoup beaucoup d'abonnés qui veulent nous parler ou nous parler Ouais, c'est c'est pas sûr. mal mais sinon le concept du live moi je trouve que c'est un peu on joue et les mecs nous regardent jouer quoi enfin moi quand j'ai commencé YouTube c'était pour faire des vidéos pour dire je propose un contenu je fais un montage je fais ça je parle j'essaie d'accrocher les gens faire un live je trouve ça un peu enfin, sans vexer les autres c'est un peu la méthode du flemmard à mon goût. Et on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de youtubeurs que dès qu'ils ont du succès, ils se mettent sur Twitch, ils font des lives et ils gagnent de l'argent avec les pubs et en Ouais, fait en gros ils sont payés pour jouer quoi. excuse-moi de te couper, Majimo. Tu sais, pour moi personnellement, je trouve que le live c'est beaucoup plus compliqué à faire que des vidéos, hein. C'est plus comment dire compliqué niveau matériel, mais tu joues et les gens te regardent jouer quoi au final en fin de Ouais, compte, il y mais a pas de les vidéos, je pense que la plupart quand même. Enfin, moi, je sais que pour la SEO, je les prépare certaines afin qu'il n'y ait pas trop de blanc et tout. Et pour les lives, ouais, il faut une demi-heure à 1 heure de préparation avant, hein. Sinon, il y a un Ouais, problème je avec sais, le moi son et j'ai tout. Pour je moi, sais, je suis toujours en retard moi dès que je fais des c'est pas lives. du tout la technique du flemmard, hein. Je trouve au contraire même, t'es un oui, peu peut-être beaucoup mais pas plus. au début quand tu commences, mais quand t'es habitué à faire des lives régulièrement, genre toutes les semaines tu fais ton live, ta population qui est réservée le vendredi soir, paf, tout le monde regarde telle personne en live, au bout d'un moment moi je te dis les gens ils se cassent plus trop la tête hein. Bah, je sais pas, je sais que Franck il en fait souvent, à chaque fois il me dit je viens en live à 21 h, à 20 h je te laisse, hein. Donc Oui, Ken qui en fait beaucoup, enfin qui. On l'aime peut-être un peu moins parce que bon avec ce qui s'est passé dernièrement, enfin voilà quoi, hein, heureux je vais. événement. Enfin, c'est un truc personnel, enfin un truc personnel, hein, tu sais de quoi je parle là, Chibi, je pense. Enfin, même les autres. Mais bon Oui, moi, je sais. vu que je suis un gars qui vous suit, je peux vous donner mon avis si ça vous intéresse. Moi je trouve que le live est. Parce que c'est Majimo qui dit on te regarde jouer. Je suis d'accord, mais quand tu fais un let's play ou un wakfu, c'est exactement pareil. C'est juste que on te regarde jouer. C'est pareil. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pareil. C'est juste que c'est le mot live qui fait. Enfin, bon, après. Pour les let's play, oui, pour les let's play, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour les walkthroughs, je suis désolé, moi, la façon dont je commente un walkthrough et que je vois la plupart des lives quand les gens y jouent, c'est pas du tout pareil. C'est un live, c'est hasardeux, c'est les gens ils grattent sur le chat sur un walkthrough. Je suis désolé, mais on est beaucoup plus préparé lorsqu'on fait un épisode, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à comment on joue. Sur un live, moi, je te dis, c'est vraiment les gens qui ont. Enfin, quand on a de l'audience, on peut se le permettre, mais Ouais, mais franchement. Jimmo, n'oublie pas que le live des fois il dure d'une à 2-3 heures, quoi. Super long au bout d'un Ouais, je moment, sais, oui. Je... tu lâches prise. C'est vrai que la vidéo, une vidéo que tu fais à peu près en gros, enfin j'ai vu tes vidéos font à peu près au maximum 1 heure pour Majemo. Pour les Ouais, autres, max. c'est un peu, c'est un barème que j'ai vu quoi. Après, ça dépend des vidéos, ça dépend de tout. Mais bon, ouais, je sais qu'une fois, je crois bien si j'ai pas de bêtises, à Chibi, un live de Kane, je crois bien qu'il avait commencé le soir à 8h30, c'était pas fini avant minuit, donc ça fait même 3h30. Donc Les ouais, 3 h 30 ces lives en faut les gros. dire, De toute façon, enfin. tant qu'il y a des gens, tu continues là, une fois moi aussi, une fois que je suis lancé, il n'y a pas de souci. Hein. c'est clair. Mais peut-être que. Ouais, tu dis qu'il faut préparer, justement. C'est sûr qu'il faut préparer un hein, wakfu. Mais au moins, peut-être que les lives, c'est peut-être mieux, au moins, ils apprennent à te connaître sous ta vraie nature. Après, c'est un avis. Bah moi, c'est ce que je pensais, et puis au final, c'était. Enfin. J'ai pas ressenti ça avec ma communauté, peut-être que c'est mieux avec d'autres communautés, mais avec moi, le live, c'était pas. J'ai pas peut-être pas assez bien aussi organisé non plus, hein, mais. Enfin bon, c'était un Je vais avis. en faire un prochainement, comme ça je vous dirai. Bah, c'était un avis personnel parce que vu que je regarde vos vidéos, tout ça, donc. Puis moi qui ai vu les lives, les vidéos normales et tout ça, donc moi je peux vous dire. Enfin pour moi,
Après, c'est vrai que chacun a son avis. Bon, on va pas faire un débat. Hein, Donc, prochaine question, si vous êtes d'accord. Comment avez-vous connu Assassin's Creed? On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est mon frère qui m'a fait connaître, mon grand frère. Il m'a dit, tiens, on venait d'acheter la PS3 il y a pas longtemps, parce qu'il faut savoir que on l'a pas acheté directement, hein, parce que déjà c'était très cher à l'époque quand même. Ouais, 600 euros pour une plume comme ça fait mal au cul. Enfin, excusez-moi, mais il fait mal. Exactement. Donc voilà, non, c'est mon grand frère tout simplement. Et j'ai acheté Assassin's Creed 1 en premier. Et quand j'ai appris qu'il allait avoir le 2, bah, je me suis dit, bon, le 1 était bien, on va voir ce que va donner le 2, et puis j'ai continué, quoi. Bah, Youyou, je te réitère ma question. Alors, c'est à peu près pareil, c'est aussi mon frère qui m'en avait parlé. Donc, quand on a eu la PS3 en 2008, je pense. Ouais, c'est ça, c'était 2008, ouais. Mon grand frère était un fervent de Prince of Persia. Donc, il aimait beaucoup. Donc, au final, il avait pris Assassin's Creed, il m'a dit, tiens, regarde et tout ça. Et donc, ouais, après, j'ai commencé à jouer et ça m'a beaucoup plu. Et puis, voilà, la série a continué, j'ai continué à acheter, et voilà, tout Ok. simplement. Hachibi. Moi c'est pareil que sauf que j'ai pas de frère. Et non non en fait c'est mon ami Mollusque. Bon faut savoir que j'ai une vie de merde, hein. C'est Mollusque qui m'a tout fait aimer, donc voilà. Donc ouais c'est lui qui m'a présenté ce jeu-là, j'ai vraiment apprécié et après bah, j'ai continué à acheter les autres et voilà c'était Assassin's Creed quoi. Voilà, la saga. Assassin's La Creed, saga. Assassin's Creed, ouais. Enfin, l'anthologie comme anthologie. Bah ma jumeau pour finir. Bah moi ouais, c'est comme j'ai fixe, hein, c'est mon grand frère. Enfin on venait d'acheter la PS3, sauf que moi c'était en 2009 par contre. Donc en fait le 2 était en train de sortir. Et c'est des copains. Mon frère était même beaucoup plus jeux vidéo que moi, moi j'étais assez sceptique. Et j'avais vu des images du 2. Et en fait immédiatement j'ai acheté le 1 et le 2 en même temps. Mais j'ai quand même heureusement commencé par le 1. Et j'ai tellement adoré le 1. Que après bah, je suis devenu un gros malade et que dès que Bronzeroad est sorti j'ai fait je veux la collector et c'est comme Ah ça que je oui, suis devenu stylé. totalement fou. Pareil. Et après c'est devenu un mouloud de Jean-Charles qui achète tout. Et Pierre-Paul Jacques. Avec tous ces goodies et tout ça, enfin ouais, bah, après comme on dit, chacun sa passion, quand on aime. Ah oui, carrément, carrément. Quand on aime, on compte pas quoi. Donc Enfin bon, des fois ça fait cher certains Bah, je goodies compte un peu quand quand même. même, Ah oui, hein. J'en excusez-moi. connais certains qui ont acheté la figurine Atacus, n'est-ce pas, Yu-Yu? Ça va, je suis pas le seul en plus, tranquille. Ça C'est pas marque. grave, En hein. gros, Yu-Yu, c'est un pigeon, quoi. Non, je rigole. Bah non, mais non. Non, il a Bah, à raison, ce mais je t'avoue moment-là, qu'elle était ma limitée à Gémeaux, 200 lui, exemplaires. Moi, j'ai c'est payé moitié prix pour un droit, truc limité à 10 fois le nombre d'exemplaires. hein. Donc, ouais, Faut c'est vrai que ça. comprendre. Bon, après, ça, c'est vos histoires entre vous. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une guerre de celui qui aura le plus de goodies, qui aura le meilleur. J'ai l'impression, un petit peu. C'est Hein. pas une La guerre, j'ai limite, c'est gagné. ça. Ha ha Hein. ha 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 ha! Rire machiavélique. Mais n'empêche, c'est Bon. vrai qu'elle est impressionnante, hein, sa collection, en vrai, hein, purée. Bah, ça. Et bah, la prochaine question qui concerne enfin, un petit peu ça, c'est lesquels des Assassin's Creed possédez-vous? Si c'est tous, vous dites tous. Et si. Je crois que tout le monde va dire tout le monde. Ouais, tout le monde va dire tous. Tout le monde veut dire tout le monde, mais tout. Ouais, ça va, ouais, bon, hein, Bah, en d'accord. fait, attends, si on peut préciser, moi par exemple, je n'ai jamais joué à Assassin's Creed 2 Discovery sur DS. J'ai joué à Chronicles sur Ah mon oui, smartphone, d'accord, ah oui, non, ouais, mais jamais joué à on s'est Discovery. compris, Je quoi. parle, excusez-moi de vous couper, je parle des 5 qu'on connaît, le 1, le 2, Bah Brotherhood, oui. Révélation Bah, et il y a dernier, Bloodlines le aussi qui est 3. important, et Libération. Moi, Libération, j'ai pas joué non plus. Ouais, Libération, Ah le ouais. dernier aussi, mais bon. Enfin, on va rester Ah sur mais les vous voulez dire consoles de sur salon, console quoi. de salon? Oui, bon, on a tous joué à tous, hein. Ouais, on a Ouais. tous, honnêtement. Bah, est-ce que vous avez des éditions spéciales de ces jeux? Les fixes? Oui. Non, Bon, alors, Magémo, je demande pas, j'ai compris. Magémo, faudrait pas qu'il réponde, sinon ça va durer 1 heure. J'ai pas répondu, j'ai juste rigolé. Non, tu dis juste le jeu et puis voilà quoi, parce que sinon il va dire, alors moi j'ai l'édition collector, Jean-Charles, Jean-Patrick, Jean Mouloud, YZ de Assassin's Creed Jeffix, Révélation. Putain, ça va. Non, vous dites juste le. Vous dites juste le. Le nom de. Enfin, lequel Assassin's Creed et quelle édition? C'est tout, on va s'arrêter là. Alors, On pour dit moi, X. pour Assassin's Creed 2, j'ai la Black et la White Edition. Pour Brotherhood, j'ai la Codex. Pour Révélation, j'ai l'édition Animus. Et pour Assassin's Creed 3, la Freedom. Et j'ai eu la Journal Day aussi, pardon. Fils de bourgeois. Ah, Yu-Yu.
Alors moi c'est Assassin's Creed 2, donc Master Assassin, ensuite la Codex de Brotherhood, pour Révélation j'ai eu la Collector plus l'Animus, et pour le 3 la Freedom, tout simplement. HB. Attention, alors moi ça risque d'être long. Alors Assassin's Creed Brotherhood édition auditorée. Voilà! Alors, c'est pas compliqué Non, parce que moi je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, je trouve que c'est de l'arnaque les collecteurs d'Assassin's Creed par rapport au une prix et au contenu qu'il y a à l'intérieur. Surtout que maintenant, sachant que Ubisoft vous offre des DLC, même pas un mois plus tard, on vous les offre sur le PlayStation Store ou le Xbox Live. Bon, je trouve ça un petit peu abusé quoi, du coup, on profite pas de Ouais. l'exclusivité. Je trouve ça un Non, mais petit ça peu. a commencé Pour à la devenir Freedom, comme le ça avec prix le que tu payes, Partial c'était pas pour Brotherhood. Ouais, mais l'exclusivité, à c'était pour une Révélation, je l'avais figurine, par douté, exemple. quoi. À Révélation, je dis si l'on fait comme ça dans le 3, je le sens pas, du coup, je l'ai pas acheté et je suis bien content. Ouais, voilà, parce que Brotherhood c'était très bien, AC2 aussi c'était très bien, au niveau des collectors. Moi je trouve. Ouais. Et encore la blague. Moi j'ai vu il y a pas longtemps, je sais pas si vous avez vu une image qui tournait sur Facebook, il y en a quand même Anthologie. qui sont du pognon, pratiquement pas loin de 3000 euros je crois pour une Black Edition, j'ai vu sur une image sur eBay. Oh, ça c'est vraiment de C'est vraiment de l'arnaque ça. l'arnaque quoi, faut. Il y en a plus de 55 000 quoi, il y en a je crois 60 000 exemplaires quand même, bon. Ouais. Donc 4000 3000 euros euros? pour ça, voilà, après ça y a des limites quoi. Putain, mais ça c'est la Ouais. Diamond Edition, ça c'est pas possible. Ah, c'est ça. Diamond 4000 euros. Edition. Non mais sérieux. Bah Majemmo pour finir, bah en deux mots, Majemmo parce Bah que. moi j'ai moi je suis déçu parce que j'aurais aimé dire ouais, j'ai la collector du 1, mais j'ai pas de la collector du 1. Je vais me faire à J'ai manger juste les pendant ce temps. contenus sans la boîte. Bon, pour le 2, je les ai toutes, c'est-à-dire Black, White et Master Assassin. Ouais. Enfin, en fait, la boîte, quoi, parce que ce qu'il y a dedans, mais bon. Ouais, Pour Brotherhood, bah, Auditore, Codex, et les deux collecteurs américaines. Ok. Parce que, bon, elles sont identiques, sauf qu'il y a un médecin et l'autre l'Arlequin. Et après, pour Révélation, que la collector, parce que l'Animus, j'avais bien vu que c'est de la grosse arnaque dès le début. Parce que l'encyclopédie est achetable à part. Et pour le 3, bah, Gen or Die et Freedom. Et malheureusement, je n'ai pas Ubi Workshop et édition limitée de GameStop. Faut dire que tu l'as pas acheté là, Ouais, dans le l'encyclopédie. Games. L'encyclopédie? Ouais, tu l'as pas J'ai acheté. acheté à 2.0 deux fois son prix quasiment. Ouais, Avec les mais frais de voilà. port d'Ubi Workshop. T'as l'autre. C'est malade ce mec. Bon. Et les frais de douane quand ça arrive en France, parce que si merde le Canada. Hein. Bon. Bah oui, parce que j'ai même vu au Canada, ils avaient pas l'édition Freedom, et nous on l'avait. Enfin bon, il y a eu pas C'est mal bizarre, hein. de. Ouais, c'est bizarre, mais bon. C'est Bon, comme ça. moi je me suis arrangé, hein. Je Oui. connais un Canadien qui a l'édition Freedom et moi qui ai une édition américaine de Brotherhood, mais après. Les magouilles de Voilà. Magemmo en direct! On va Secours de tout police. savoir, on va tout savoir, vous inquiétez pas, je vous l'avais promis. Putain. Bon, allez, on va passer à la prochaine question, si vous êtes d'accord? Ouais. Faites donc un classement. Alors, je vais dire un classement de celui que vous aimez le plus à celui que vous aimez le moins. De quoi? De Assassin's Creed. Je crois qu'on aura tous le même, hein. Donc, le générique, si tu C'est réponds. dedans, c'est Tout à fait. compliqué, détrompe-toi. Alors, ça dépend dans quel type de classement tu veux Ouais, parler. Au Assassin's niveau Creed ou jeu du vidéo. personnage et du Non, ça jeu. c'est. En Non, je veux dire du général, en scénario en général. lui-même, je pense, ouais. Moi, vraiment, j'aurais dit Assassin's Creed 1 en premier, AC2 ensuite. Ouais. Ensuite, j'aurais mis Brotherhood, le 3 et Révélation. Oh, bah, Putain, mais Guillaume, bon, à toi. pareil. Merci d'avoir shippé Pareil les aussi. trucs. Même si je trouve Assassin's Creed 3 excellent et que c'est un gros renouveau, j'ai quand même un faible pour les précédents, c'est normal. D'accord. Normal. Je suis Hachibi? d'accord. Moi, j'ai juste inversé le 1 et le 2. Parce... En fait, le 2, j'ai adoré le scénario en lui-même et tout. J'ai adoré Voilà. ça. Après le 1, la période, elle est quand même excellente. Donc, c'est vrai que on a du mal à classer entre le 1 et le 2. Après, bon, certains vont choisir le 1 car c'est leur premier Assassin's Creed et tout. Mais moi, je suis vraiment devenu un gros fan à partir du 2. Le 1, je l'ai aimé et après le 2, je suis tombé amoureux. Donc, moi, je choisis la personne à laquelle je tombe amoureux. Donc, je dis le 2 d'abord. Et Et après, le après, même ordre. enfin, le Le même reste, ordre non. que Romain et Youyou. D'accord. Bah moi pareil c'est le même ordre hein. Et par contre ouais je mets quand même enfin moi aussi je suis plutôt tombé amoureux du 1 quand même donc mais c'est très dur entre le 1 et le 2 parce qu'il y avait tellement de choses que j'ai adoré dans le 2 en plus par rapport au 1 c'est très C'est sûr. compliqué C'est sûr. Mais c'est le 1 le que 1 vous et 2 aimez. c'est égalité quoi parce qu'en termes de réalisation le 2 est largement devant quoi mais Ouais, ça c'est vrai. Même au moi niveau du c'est pour personnage, les le 1. au niveau du personnage non le bah, le 1 Le il est 1, mieux mais au niveau des villes et oui. du Ouais. C'est pas, c'est. Moi, j'étais amoureux du 2 aussi à cause des villes et de la musique. Hein. Les musiques dans le 2, c'est les meilleures de tous, alors bon. Ouais, Ça, ceux qui ont vu tes let's play l'ont bien remarqué. c'est Je parle de la magie. Bah donc en gros, on est tous d'accord, vous appréciez peut-être ensemble plus le 1 et le 2, quoi, on va dire.
C'est ça? Voilà. C'est ça. Ouais. Ok, donc vous avez déjà cité pas mal de raisons, les villes, tout ça. Est-ce que vous avez peut-être autre chose à rajouter? Sinon, on passe à la prochaine question. Ouais, Patrice des idées, ouais. Ouais, Il est reviens plus là s'il te après, plaît, ouais, on t'aime. Hein, si vous avez d'autres choses à dire, C'est ben, la raison. moi c'était j'ai surtout choisi AC1 en premier pour le personnage. Ouais, normal. Ezio est charismatique, mais je pense pas que pour moi ça vaut pas le d'ailleurs. Ouais. Non, mais ouais, on est Voilà. d'accord là-dessus, hein. Tu Un aimeras rien. personnage, et pour moi le 2 c'est la ville et tout, mais bon, Ouais. j'ai une partie de ma famille qui est vénitienne, j'adore Venise, et dès que j'ai vu les premières images d'Assassin's Creed 2, je suis devenu fou, quoi, donc c'est ça aussi. On va dire qu'on est tous d'accord sur ça, quoi, on va dire. Pour les Ouais, on va musiques, les dire, deux. Ouais, on va dire, ouais. Donc, ouais. Attends, alors, de vous presser. question plus personnelle, attention, vous allez remonter un petit peu dans la mémoire, mais pas très loin. Quelle a été votre réaction à la fin de la séquence 3 dans AC3? Ah! Sans spoiler, bien sûr, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas fini. Et moi, on a eu ma réaction en live sur le playthrough de la C'est CO. vrai, ouais. Donc pas besoin de la redire. Non, en plus Mais sérieusement, c'est pas bah. ça! Mais c'est pas ça, c'est n'importe quoi! Mais non, mais il devrait pas dire ça et tout, je vais Alors voilà, on se dit rappeler. que c'est. En fait, on s'y attend pas. Enfin, un petit peu, mais vous voyez, ils ont tout fait pour qu'on s'en doute pas. Vous savez, quand on est avec Ouais. Haitham et ses troupes, il y a les symboles des assassins sur la carte, etc. Ouais! Comment ils t'induisent en erreur? Voilà, c'est fait exprès. Bon, ça, c'était la petite incohérence, mais bon, c'était pour pas qu'on sache. Après, ils parlaient souvent d'ordre, etc. Et pas de. Et pas Ouais, de credo, confrérie, ça te fait un etc. peu. Donc. C'est vrai que. Voilà, c'était. On s'en doutait pas directement, on se disait, bon, peut-être que voilà, c'est comme ça, mais finalement, on a les idées éclaircies à la fin. C'est sûr. Et Yu-Yu, même avis, peut-être ou... Ouais, enfin, moi, j'ai juste été tué sur place, en fait. Mais comme beaucoup de sinon. monde! Non mais franchement, hein, c'était vraiment, putain, j'avais les yeux écarquillés, j'avais la bouche ouverte, limite je bavais, enfin bref. Non mais j'ai, ouais, c'était très très bizarre. J'étais vraiment choqué, mais bon. Après, c'est une révélation, comme on aurait dû avoir dans Révélation. C'est pas grave. Ouais, c'est... En fait, ils ont fait Révélation, mais un grand retard, on a l'impression, Voilà, c'est... en fait, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis pas d'accord. Non mais, oui, on sait, ouais. On sait que t'es pas d'accord. Moi, je trouve Révélation possède énormément de révélations, Non, il mais. y a des révélations, mais il y a des trucs qu'on savait déjà aussi. C'est bon. Non, mais non. Tu te souviens de la vidéo que je t'ai envoyée? Regarde les révélations d'un cerf que t'as même Oui, pas vu. oui, On va c'est faire un oui. débat? Oui, cette Voilà. vidéo, Non, mais en fait, si tu veux, voilà. Peut-être oui. que tu parleras de la fin d'AC3, Nico? Non, non! Ah, non, Pardon, mais c'est vrai. excusez-moi. Il l'a pas fait. Hachi n'a pas On va fini. finir ma question, on va passer à Chibi, les gars, si vous êtes d'accord. Chibi, à toi, ta C'est réaction. quoi déjà la question? Ah oui, la séquence 3. Ta réaction Pendant à la la fin séquence des... 3. Alors, bon, moi, j'ai pas fait comme Emu, j'étais pas mort sur place, enfin, j'étais pas tué sur place, mais j'ai tué quelqu'un. Car il m'a spoilé la séquence 3 une demi-heure avant que j'y suis, qu'il soit, donc c'est super. Donc le premier mot qui m'est passé par la tête quand je l'ai su, bah, j'ai dit espèce d'enfoiré. Donc Mathieu, si tu me regardes, merci de m'avoir spoilé la séquence 3 avant même que je puisse le faire. Surtout que j'étais avec, bah, avec Hathor, il était avec moi lorsque. Voilà. Donc il m'a regardé, il a fait Oh mon Dieu! Il m'a fait Mais t'es pas surpris? J'ai fait Non, parce qu'on me l'a dit. Du coup, voilà, c'est cool, c'est bien, c'est la vie, quoi. Hein. On continue, chacun de son côté, chacun sa route, chacun son chemin, c'est son Chemin. destin. À toi, Majemo. Voilà, c'est ça, à toi, Majemo. Donc moi, ouais, c'est un peu comme GFX, hein, je trouvais qu'on sent que c'est quelque chose, on s'en doute un peu, mais il s'arrange pour que ça passe inaperçu. Exactement. Et que en fait, ça m'a pas énervé ou quoi que ce soit, je trouvais ça plutôt logique et intéressant. Ouais, Pour c'était le coup, ouais, super. fallait voir la Ils ont suite, plutôt bien quoi. réussi leur coup. Ouais. C'était bien Mais personne vendu. n'a dit que ça a été énervant. Ouais. Non, mais c'est qu'il y en a qui disent ah, mais enfin, il y en a qui, enfin, ouais, sans spoiler, Ouais. Qui appréciaient pas ça, quoi. Moi j'ai apprécié. Hein. Donc. Moi Ouais, aussi, c'était ça... bien quand même. je trouve que ça. Enfin, moi, mon avis perso, après, chacun. Au moins, ça change, quoi. On peut même se remettre en question, même, peut-être. Vous trouvez pas? Enfin, je sais Si, pas. c'est ça, Ouais, un c'est petit peu jamais quand faire même, si. attention à ce qu'on voit, c'est ça? Non, non, moi, c'est au contraire me dire depuis le début, j'avais raison. Mais je peux pas entamer le débat là-dessus, ça va spoiler, Ouais, on et va. puis en fait avec la suite le suite du jeu me donne raison. Voilà. Mais Il y bon. en a quand Ouais, même on beaucoup qui verra. préfèrent Eitan à Connor. Moi C'est vrai. personnellement, ouais, je préfère mieux Moi Ethan. aussi. Complètement. C'est Non mais c'est bizarre, pourtant c'est normal. pas lui le héros. Faut... Et moi perso, je C'est de préfère ce point de Connor. vue-là que Assassin's Creed 3 me plaît en fait, plus que. Mais ils l'ont trop mis en avant en fait, Eitan.
Peut-être qu'ils auraient Beaucoup peut-être dû trop. retirer Bah une après, faut cible. encore que je dise le roman, hein, je sais pas. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû. Excusez-moi de te couper. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû de. Enfin, peut-être retirer une séquence, ça, ou en rajouter une avec Connor, enfin faire un truc, Ouais, quoi. Peut-être qu'il manque exactement. un petit quelque chose, quoi, parce que. Comme Quand on fait la moitié du jeu avec le père, donc c'est vrai que. Enfin, la moitié. Enfin, un quart. Mais bon, bah, entre tout ce qu'il y a à faire derrière et tout, c'est vrai que. Enfin, bon, après, Ah, c'est le jeu. prochaine question, s'il vous plaît! Ben, on va Moi, dire, je me je vais connais en vous plus. réitérer ma question, mais bon, à la fin du jeu, assez droit. Mais Non. non! Mais Oh, non, on peut se faire pas. Il n'a spoiler, pas le pauvre. fini. Pas, c'est pas Non, possible. mais sans spoiler, enfin. Non, 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 je suis pas d'accord, prochaine question. Non, D'accord, non, bon, non. bah. Non, mais. On peut dire juste dire content ou pas Ah non, content, parce que je sais moi, je pas. suis Ouais, voilà, ça, logique. content ou pas Je suis content? pas. Voilà, non, 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 mais non, même pas. Non. Mais ça Prochaine va, c'est question. bon. Moi, je dis Non, mais content, voilà. moi je suis vraiment chiant avec ça, je vous préviens, mais il faut pas du tout parler, parce que déjà que pour la séquence 3, j'ai failli brûler la famille de mon pote, donc là, non, Moi je pour dirais que ça serait dommage, quoi, George pour con. Washington, j'ai failli brûler Julien, donc voilà. On va Voilà, ouais, passer à non, une autre non. question, j'ai pas envie d'énerver la chibi, hein, Ouais, voilà. bon, hein. Y a pas de souci, les gars, c'était une question que j'avais pensé, c'est vrai que ça peut être un tort, mais bon, faut, comme je vous ai dit, je veux tout savoir sur vous, donc j'essaie de. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui ne connaîtrait pas la saga Assassin's Creed ou qui n'en a jamais entendu parler? Hérétique! Oh Oh ben putain! Bon, j'ai Non, mais fixe. que c'est une excellente série pour ceux qui veulent aller plus ou moins redécouvrir le passé, plus ou moins vraiment, hein. Et que Oh, voilà, bon, non, n'abandonne pas. c'est très bien, c'est une autre façon de voir les villes, etc. Même si c'est pas forcément exact tout le temps, mais il y a des d'extrêmes ressemblances. Et puis c'est pas qu'un simple jeu aussi, l'histoire est extrêmement, même s'il y a beaucoup d'incohérences, l'histoire est extrêmement aboutie et tout se suit parfaitement. Ok. Youyou. Purée, le diplomate, c'est un truc de malade quand même. Bref, non, moi c'est un peu pareil, ouais, il a tout dit, quoi. Ok. Il y a pas vraiment. Hachibi, pareil, peut-être que tu es d'accord avec. Bah, si. Ouais, si je devrais expliquer ce que c'est Assassin's Creed, bah, je dirais Salut Kevin, t'en as marre de jouer à Call of Duty? Eh ben, viens dans le monde d'Assassin's Creed, il y a des assassins, il y a des templiers, il faut tuer les méchants car tu joues le gentil. Tu vas pouvoir découvrir des nouvelles villes, un nouveau gameplay super enrichissant, ainsi qu'une histoire hors norme, super intéressante où vous jouez, vous incarnez un assassin, même trois, car il y a trois Assassin's Creed, enfin cinq, mais bon, on va pas chipoter pour ça. Et puis voilà, non, le jeu il est vraiment super, une bonne histoire, bon personnage, vraiment ils sont concentrés sur tout dans le jeu et ça c'est vraiment appréciable. Et non, non, vraiment c'est un très bon jeu, l'un de mes préférés, et il faut vraiment le faire avant de mourir, quoi. Ouais. Bon, ben ma Gémeaux, si t'as peut-être des choses à Je rajouter. proposais que Chibi soit recruté par Ubisoft comme publicitaire, enfin. Il faisait une très très bonne pub Non, pour ce non, jeu. chez Abstergo, tiens. Pour Chez tu sais, les Abstergo. messages subliminaux là qu'on voit dans l'animus. Pub pour l'Animus. L'Animus, ouais. Ouais. Non, bah alors moi, ce que je dirais, en fait, déjà, ça dépend de son âge. En fait, je cherche, faut savoir ce qu'il aime dans un jeu vidéo, hein. Si c'est quelqu'un. Moi par exemple, une raison pour laquelle j'avais adoré Age of Empires, c'était son rapport avec le contexte historique. Bah là c'est pareil pour Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'un jeu comme Prince of Persia me ferait beaucoup moins accrocher qu'Assassin's Creed. Et donc voilà, faudrait que je sache ce qu'il recherche dans un jeu vidéo. Et par contre, je lui dirais un truc absolument, c'est de commencer par le 1. Parce que tous les gens qui ont Oui. commencé, genre par Brotherhood, et ça, il y en a vraiment énormément. Bah après ils jouent au 1, ils font ouais mais c'est chiant et tout, et je connais beaucoup de personnes qui ont joué au 1 et qui n'ont même pas fini. Alors que moi le 1, ce que je peux dire c'est vraiment j'accroche à l'histoire. Donc faut savoir si quelqu'un aime, enfin même sans connaître le contexte, faut lui dire de jouer un peu au 1, voir s'il accroche au contexte dès le début. S'il accroche pas au contexte, Il c'est arrête. vraiment, c'est dommage mais c'est possible. Ok, bah y a pas Après, il y a la de notion de jugement. répétitivité, donc bon, c'est peut-être pour ça aussi que dans le 1, ils apprécient pas. Moi, Oui je mais. conseillerais le 2, quoi, dans le sens où t'as tout qui est bien, là. Donc, après, Mais c'est ce que sûr je veux dire, c'est que. que on est d'accord que, enfin, pour moi, le point fort de Assassin's Creed, c'est l'histoire, en fait, avant Oui. tout. C'est l'ambiance d'histoire, et l'ambiance d'histoire, là où elle est la meilleure, c'est dans le 1, en fait. Dans le 1, s'il n'y avait pas cette tension, et effectivement, le jeu serait répétitif, mais moi, il m'a pas vraiment semblé répétitif, parce qu'il y avait cette tension qui montait, mais en crescendo, c'est absolument magnifique, et c'est ça que je dirais, c'est si t'aimes bien les histoires puissantes, si quelqu'un qui joue, qui a des beat'em all, genre DMC, God of War, et qui en a rien à foutre de l'histoire, bah, tu vois, je sais qu'il va pas spécialement accrocher, quoi.
Faut pas se dire ouais je suis un assassin, je vais tuer tout le monde, c'est pas ça vraiment. C'est pas hein, un GTA médiéval. C'est pas GTA, ouais, exactement. C'est pas un GTA like. Pas du tout comme ça. Je suis d'accord avec vous, faut mettre les bases. Hein. Si vous préférez tuer du monde tout le temps, bah jouez à Call of, quoi. C'est ça. Je dirais pareil pour le jeu Mafia 2, je fais une comparaison, mais genre, c'est pas un GTA, c'est un jeu où d'abord je demande si. Moi dans un jeu vidéo, je cherche d'abord l'histoire. Bah, pour Assassin's Creed, ce que je prône avant tout, c'est l'histoire. Le scénario. Après, faut apprécier. L'émotion. Voilà, comme on dit, chacun n'est pas pareil, après, ça dépend. Bah, généralement, les gens, soit ils aiment pas, après ça, c'est un autre débat, quoi. Ouais. Donc voilà. Vous passez combien de temps à jouer par jour, GFX? C'est très, très, très aléatoire, suivant les examens que j'ai. En général, j'ai plus de temps le week-end, mais pas forcément. Le mercredi après-midi, bon, en moyenne, vraiment, ça serait 30 minutes par jour, voire une heure, quoi. Ouais, ok. Aujourd'hui, à ce stade, hein. Ok. You. Moi aussi ça dépend vraiment des jours. Bon après c'est vrai que quelquefois je peux quand même jouer 2 heures par jour. Bon après en moyenne par semaine je pense que je devrais faire peut-être du 6h30 de jeu, mais par semaine. Hein. Après voilà. Pas de soucis. Ça dépend vraiment. Ah, excuse-moi, tu n'avais pas fini. Non, non, mais si t'inquiète. HB. Bah moi la semaine je peux pas trop jouer car trop de boulot et tout, c'est super chiant. Quand j'ai le temps, bah, des fois je joue une demi-heure, une heure, mais après, mais c'est vraiment rare, c'est super. Une semaine sur deux, je peux pas. Par contre, en week-end, là, je me lâche. Hein. Vendredi soir, j'arrive de 20h à 5h du matin. Non, des fois, là, par contre, samedi aussi, quoi. Parce que sinon, après, je peux pas! Faut que je joue! Et puis voilà. Najimo. Pour moi c'est ouais, c'est aléatoire aussi. Alors, en période de vacances, là je profite, ouais, je peux jouer genre de 22h à 4h du matin normal, mais sinon après bah moi c'est quand j'allume ma play pour jouer, la plupart du temps c'est pour faire une vidéo. Et dans ce cas c'est 1 heure et donc il y en a genre 2 par semaine. Mais ouais, franchement je pense pas jouer plus de 5 heures par semaine parce que j'ai vraiment quand j'allume ma play c'est pour filmer et après quand je joue bah ouais je peux un soir genre un samedi soir je vais jouer 2 heures à un jeu multi genre je sais pas Far Cry, Battlefield, Assassin's Creed mais c'est vraiment quand j'ai du temps sinon après c'est en vacances où là je me rattrape un peu. Et après je passe beaucoup de temps sur le PC en revanche. Mais à jouer, vraiment dire je prends pour aller pour jouer en ce moment, c'est très rare en fait. Comme on dit, c'est sûr que la console n'est pas la plus. Enfin, c'est bien, mais malheureusement, on a d'autres choses derrière. Ça se comprend après. Ah c'est sûr. Alors, quel est le dernier jeu que vous ayez acheté? Pas forcément Assassin's Creed. Quel est le dernier jeu? Tous les jeux? Voilà, parmi tous les jeux, quel est le dernier que vous ayez acheté? C'est Hitman, il me semble. Absolution? Ouais. Ok. Oui, parce que je sais pas si tu es au courant, j'ai fait qu'il y a eu HD Trilogy qui est sorti hier. Donc, ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que je demande la précision. La précision, excusez-moi. You. T'inquiète. Alors moi c'était Dead Space 2, voilà, pour pouvoir le faire et ensuite passer sur le 3. Ok. Et Ah, ok. j'aime vraiment ce jeu, et bah, c'est un jeu de ouf, quoi. Ok. C'est tellement bon. Ok. Et voilà. HB. Bon bah, moi je sais pas vraiment parce qu'en fait, vu qu'il y a eu les soldes, j'ai acheté plein de jeux en même temps. Donc je sais pas vraiment lequel on peut dire que j'ai acheté en dernier. J'ai acheté Prototype 2, Alan Wake, Black Ops 2. Enfin j'ai acheté plein de jeux qui sont trop Hérétique! anciens. Oh, j'ai Ouais, fait le alors mélange. un, ça va là. Ah merde, je commence à être malade, c'est cool. Donc, non, j'ai acheté plein de jeux et puis voilà, bah, même Far Cry 3, je l'ai acheté il y a un mois, je l'ai même pas ouvert encore, donc honte à moi. Ah ouais. J'en peux Oh plus. là là, pourquoi tu le donnes pas Youyou? Je crois que je t'ai battu à Chibi. Une fois, j'avais acheté un jeu. J'avais juste eu le temps de l'ouvrir. J'avais posé quelque part. J'avais perdu. Pendant un an, j'ai pas réussi à le retrouver. Ah ben moi c'est Ouf. pareil avec Deus Ex Human Revolution. Je l'ai attendu pendant Ah. 2 ans. Je l'ai acheté en août 2011. Il est toujours là. Il me regarde. Il fait ouais, tu m'utilises ou tu me regardes. Tu vois. Donc Pareil. ça Tous fait des un an et demi fous. presque. Hein, donc. Attends, je me lance un jour. 70 euros, ça fait mal aux fesses hein, quand tu le vois à 10 euros en magasin. Il me fait un gros doigt d'honneur quand je le vois en magasin. Il fait, tiens, t'as vu 60 euros dans le cul, enfoiré! Hein, t'as pas voulu m'utiliser? Ben voilà! C'est ça quand on est infidèle!
Bah, ma Gémeaux, pour finir, t'as quel est ton dernier Bah jeu? moi aussi, en fait, c'est Hitman Absolution au dernier, mais en fait, j'ai justement pendant Deus Ex, j'ai racheté un Deus Ex, mais j'ai déjà joué le jeu il y a très longtemps, on me l'avait prêté. Et j'ai racheté un Deus Ex et j'ai joué là 1 heure 2 pour me dire, allez, j'y joue, je profite du jeu que j'ai acheté. Mais ouais, c'était juste pour pas faire comme Ashi, en fait. Ok. Mais sinon, c'est Hitman et je vais acheter la trilogie, ouais, prochainement. Tu me l'offres? Non? Non, je rigole, je plaisante. Oh, 30... je l'ai vu, 30 euros, franchement, ça va quoi. Moi j'ai vu à 40 euros. Ah oui, mais sur PS3, moi je le prends. La PS3, 30 Ouais. euros, hein, mon ami. Hein. 30 euros? Je l'ai Ok, même vu à on va voir 28 ça. euros sur Amazon, alors pour te dire. Non, mais c'est très bien, non, parce que je sais pas, là, sur Splinter Cell, moi j'ai payé 5 jeux 25 euros, donc c'est vrai que ce serait pas mal que. Après, mais Enfin, bon, faut dire 4 quand pour même 30 Polo. euros bien investis, t'as 3 jeux qui ont été remis au goût du jour, Oh. donc c'est pas rien En quoi. plus, Hitman, c'est bon, quoi. Ouais, surtout l'agent 47. Quel jeu attendez-vous pour cette année? Oula. Maintenant. Splinter Cell Blacklist. Et j'attends. Mais pour l'instant, vraiment, j'attends que Splinter Cell. Aucune autre attente. D'accord. You. Bah, il y a Dead Space 3 qui arrive là. Ensuite, j'attends The Last of Us. Et Splinter Cell Blacklist aussi, ouais. En Bah, août. Hibi. Call of Duty! Non, je rigole. Non. Gros Dead Space fail! 3. Pardon. Dead Space 3, bah là, putain, j'attends la semaine prochaine. Ah, bah non, merde, c'est vrai qu'elle va être postée le 12. Non, ah bah, Dead Space 3, il est super, je vous conseille de l'acheter, non, je rigole. On est le premier, donc ça risque pas. Non, oui, il y a Dead Space 3, il y a Naruto. Bon, je vais pas le dire en entier, il est super long, titre. Naruto Storm 3. Le titre Naruto Naruto aussi, Ultimate bon. Ninja Non, Storm Naruto Génération, Shippuden Ultimate machin Ninja là. Storm 3 Génération, je pense pas, non, il y a. Non, c'est Storm Ah, 3. Chibi a plus de mâchoire là, c'est bon. Il y a quoi d'autre? Il y a Watch Dog qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, on Ouais, t'a il est dû sur parler PS3. aussi, l'ami Chibi. Watch Dog, Ouais, de fin de nos amis l'année. Ubisoft. Le dernier petit bijou d'Ubisoft. Il y a quoi d'autre? Y en a un autre, mais je sais même plus comment il s'appelle. Bah non, il y avait The Last of Us aussi. Enfin, il y a Ouais. plein de jeux, mais je sais plus. Ah oui! Parce que moi, je suis un grand fan de Rayman. J'attends le Rayman Legends Ah oui. impatiemment. Parce que là, oh là là, oh là là, oh là là. Et voilà, il me le faut. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu qui sort normalement cette année ou l'année prochaine. Il y a Cyberpunk 2077 qui Oh m'intrigue. là 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 là, Cyberpunk. La bande-annonce est extraordinaire. J'aimerais Mais bien sortira en jouer plus tard. 2014, je crois, hein, celui-là, hein, et que sur PC. Bah en fait la PS4. sortie c'est le jeu sortira quand il sera prêt. Voilà, Ouais, super. c'est ça. Donc en Voilà, gros, tu peux ça attendre c'est des la ans, quoi. date. Ça veut dire t'attends comme un couillon. Mais bon, après le jeu que j'attends le plus mais qui n'a jamais été réellement annoncé, je vais en dire c'est Star Wars Battlefront 3. Ah, je pense à autre Pareil, chose. pareil. Parce que là je commence à en avoir un petit peu mal aux boules. Ce serait bien qu'il sorte Et quoi. le jeu, ils l'ont commencé, mais ils ont arrêté la production, ils ont Bah il a arrêté. annoncé il y a pas longtemps comme quoi il a été carrément fini mais c'était de la merde. Mais putain mais ce serait la plus grande surprise si c'était un jeu de lancement pour la PlayStation 4 et la Xbox 720 quoi. Mais Bah, je prendrai sur PC, moi, c'est Battlefront 3. obligé que ce jeu sorte car les gens qui vont faire ce jeu vont gagner énormément de pognon. Sur PlayStation 2 il était Dès qu'il y a le premier. pognon, c'est... Sur Xbox il était deuxième et sur PC je sais pas. Ouais. Mais Sur non PC, c'était le vraiment. Battlefront 1, c'était un des jeux les plus vendus, je sais plus Mais quand il est sorti. Pas de 2. faut que quelqu'un le fasse. Après, je pense que peut-être que s'il n'est pas sorti depuis, c'est que les gens là, je sais pas qui c'est qui ont acheté les droits là. Bon, ah, peut-être Disney, tiens, tu crois qu'ils pourront faire le jeu? Mais il y a LucasArts qui aura assez d'argent avec Star Wars 7, c'est bon, hein. Ah, ouais, je viens d'y penser, ouais, ils pourraient le faire. Bon, bah finalement, Disney, on risque de faire un Miami si vous faites un bon jeu. Ouais, mais là on parlait des jeux de l'année quand même. Bon, après, on sait. Ouais, mais on On sait va rester jamais. dans l'année parce que si on se mord à 3 ans, on n'a pas fini, Ouais. c'est pour ça. D'ailleurs, moi j'ai oublié Crysis 3. Oh non. Bah, j'ai flex bien, t'as bien pensé. Majemo, pour finir. Bah, moi, bah, c'est vrai que Tomb Raider, depuis qu'ils ont lancé la collector, ça me donne envie. Bah, c'est Ah moi, dès que oui, je vois une collector, Tomb ça me donne envie en fait. Je suis Raider. comme ça, moi je me fais complètement avoir par le marketing. Et Tomb Raider m'intéresse pas mal quand même. Splinter Cell Blacklist, bien évidemment. Bon, leur collector fait un petit peu moins envie parce qu'ils nous prennent pour un con avec un espèce d'avion téléguidé qu'on peut pas L'avion, faire atterrir. Parce que même ouais. eux, dans leur vidéo, ils s'écrasent en fait. En fait, ils Et volent, après tu vois plus, quoi. Watch Dogs aussi, ouais, bah ça, normal, hein, ça c'est l'atmosphère, c'est un peu une ambiance cyberpunk, si j'ai bien Ouais. compris. Enfin, pour ceux qui connaissent la littérature cyberpunk, c'est tout ce qui est. Ouais. J'ai lu, parce que bon, il y a déjà les premiers trailers qui sont sortis, donc ça s'appellera, enfin ça s'appelle Watch Dog, hein, on va dire le nom entier. C'est Ubisoft qui nous sort ça, et ça serait un groupe de hackers et d'assassins. Donc, Ouais, après donc en l'idée peut fait être c'est pas dangereux, mal, mais c'est quoi. un peu futuriste. C'est la même ambiance que ouais, Deus Ex, Cyberpunk, Matrix, enfin.
C'est du. Je dirais même. C'est plus. Ils ont dit qu'ils sont inspirés. Enfin, moi j'ai l'impression qu'ils sont inspirés beaucoup de GTA pour le faire. Enfin bon, après Bah, on verra. moi, personnellement, les GTA Voilà. Like, je les compare pas parce que GTA, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça chiant au bout d'un moment. Moi, je suis plus fan de Just Cause. Le 2, je me suis régalé à le Ah faire. oui. L'histoire, elle est Typiquement, pourrie, voilà, mais GTA c'est 5, la plus personne n'a moisie de cité, tu toutes les vois. histoires. Mais Just Cause 2, c'est fun, il y a le grappin, il y a pas mal d'innovations, alors que GTA, c'est super bien, hein, c'est vraiment réaliste. Mais justement, je commence à me faire un petit peu chier dans ce réalisme-là, et je trouve ça un petit peu dommage. Évidemment, Et ouais. Watch Dog, bon, ça a l'air de sortir, enfin, être entre les deux, faut voir après le scénario, je pense que c'est le scénario qui va m'intéresser. Faut voir ce qu'ils vont faire avec, quoi. C'est Ouais, ça. voilà. Il y en a un seul qui en a parlé, c'est GTA V qui sort cette année. Bah, parce qu'on l'attend Ouais, pas, mais tout GTA 5, simplement. moi, ouais, justement, Ouais. personne n'attend. Ouais, Enfin, voilà. non, si. C'est. Moi, s'ils sortent un Just Cause 3, je serais ravi avec un Ah ouais, multi. complètement. Et s'il y a un multi, mais je viens Un chez multi eux, je serait leur fais un magnifique, et un bisou. multi qu'ils auraient dû faire dans Far Cry 3 d'ailleurs, avec des véhicules et tout, bon. Et C'est après, dommage. bah sinon, bah je sais pas, apparemment il y a Mafia 3 qui est annoncé, mais ça va être le lancement de la PS4, je crois, donc Ah ça va pas oui, être cette année. moi, ça fait au moins 2 ans qu'ils me font languir avec Mafia 3. Alors, c'est... Ouais, fait parce déjà que Mafia donc je te 2 dis, était ça fait tellement déjà. excellent. Depuis que le 2 est sorti, ils en parlent, et il y a aussi un autre jeu qui était sur PS2, ils parlent beaucoup de le mettre sur PS3, mais c'est Rockstar, ils sont pas décidés à le refaire, je sais pas si vous vous rappelez de Bully, enfin, oui, Bully. Ah oui, ouais. Ouais, Bully, Les jeux ouais. Rockstar, moi j'en ai marre, ils me déçoivent tous les ans, Enfin, en Rockstar, ce moment, donc je sais pas ce je. qu'ils ont, Rockstar, mais c'est vrai qu'ils... Enfin bon, on va pas faire un débat Bon, là-dessus, Max mais... Payne, il a bidé parce qu'ils le sortent. À chaque fois, ils sortent leurs jeux en fin d'année, genre en mars, quand les gens ont le bac, les concours, les partiels, les trucs. Il y avait Diablo 3 en même temps, Max Payne, il a bidé. Red Dead est un jeu très sympa, mais bon, après, il est noir, il m'a déçu. Bah, et les Noirs, c'est pas tout à fait Rockstar, c'était une... Rockstar ont Ouais, Team juste Bondi, fait de la c'était Team pub, en fait, Bondi. hein, là-dessus, c'est... Rockstar, ils ont juste donné leur nom, quoi, si tu préfères. Ouais, c'est Et Team même, je sais Bondi pas qui a si développé t'as... le truc. Je sais même pas si t'as vu, c'est même le studio qui a fait ça, et c'était leur premier jeu, puis ils ont fermé, en plus, alors, comme ça. Mais les gars, ils comptent le garder, en tout cas, donc... Enfin, ils comptent, Rockstar compte peut-être en refaire un deuxième, alors peut-être que si Rockstar s'y met vraiment, peut-être que ce sera peut-être meilleur, Mais après, faut... n'empêche que le scénario de L.A. Noire, c'est un scénario typique Rockstar, quoi. T'as un début, t'as une chute à la con, franchement, ça me C'est saoule, vrai que mais. pour les fuites, voilà quoi. Et après, attends, dans les jeux qu'on attend cette année, je vais citer qu'à un moment donné, il y a un Assassin's Creed qui va sortir cette année. Je Ah, l'attends pas peut-être, ouais. particulièrement, je préférerais attendre un peu plus, mais bon, il y en a un qui va sortir cette année, c'est quasiment confirmé. Oui, parce que un an pour un Assassin's Creed, on a vu ce que ça donnait avec Révélation, quoi. Enfin, bon, après, c'est mon avis. Non, mais ils vont nous dire que ça fait 2 ans qu'ils le font, de toute façon, il forcément, enfin, Au il moins, c'est c'est pas vrai possible que. de. En fait, ce qui est bien, c'est que Assassin's Creed 3, on sent qu'il y a eu du boulot. Enfin, le dernier Assassin's Creed, on sent qu'il y a eu du boulot. Mais comme j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui le disent, et c'est dommage que vers la fin du jeu, faut finir le jeu, quoi. Ils se dépêchent, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Enfin, bon, après, Tu m'as c'est. fait flipper pendant 2 secondes, j'ai cru que je devais être Ah, tué. je le savais. Ouais. Non, mais Ah, Assassin's c'est Creed, bien les fins du flippé. jeu sont toujours un peu trop rapides. Enfin, pour le 1, c'était bien. Bah, celle du 2 Mais. était épique, hein. J'ai adoré celle du 2, moi. Bah, en Ouais, fait, il était très bien, mais c'est bon. même dommage, quoi. Bon, après, peut-être que si Oui, c'est du prendrait. 2, c'est bien quand t'as les DLC, tu vois. Sans les DLC, le 2, c'est super rapide la fin. Ah oui, ça c'est. Je peux te dire, les DLC, je les ai eu vraiment par chance. Comme j'avais dit, c'était mon premier Assassin's Creed que j'ai acheté, c'était le 2. Et c'était marqué The Game of Year édition de l'année, en Oh bah Platinum. toi t'es exactement pareil que JB Games. Il avait acheté le jeu sur PC donc il y avait automatiquement les DLC et après dès qu'il a joué sur console il a fait eh, mais c'est de la merde. Mais. Non, mais j'ai pas dit que c'était de la merde, hein, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vu que Non j'ai pardon. eu l'édition The Game of Year, ce qui fait que j'avais tous les DLC que vous Tous aviez les DLC achetés, ouais. Avec les moi lieux je les avais eu secrets. gratos, quoi, si vous préférez. En fait, moi je les Enfin avais tous, acheter quoi. ça nous a coûté 8 € en tout, ça va, hein, franchement. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, Benjamin, c'est. J'avais tout intégré, quoi, en fait. Hein, donc, parce que je l'ai pas eu en 2009, moi je l'ai connu Assassin's Creed en 2010, donc vous voyez, forcément j'avais déjà un an de retard quand même. Donc, forcément en un an, c'était une version Platinum avec une. Enfin, c'était marqué The Game of Year, quoi. Platinium, ah, les boîtes sont moches. Bon. Non, je vais pas débattre sur les boîtes. C'est Oh fini. bon. Bah, prochaine question. Alors là, c'est. Attention, faut pas avoir peur d'avoir honte. Quel a été votre plus gros fail sur AC? Mais sur quel AC aussi? Le fail. Bah, le fail, mais le truc magistral, quoi. Le truc, tu fais merde, tu es un con, quoi. C'est. Je sais pas, mourir en tombant d'une hauteur. Ah, ou sinon, à un moment, tu veux faire un saut de la foi, mais il le fait pas et tu meurs dans le Ah vide, oui, pendant ouais, un alors temps. ça, ouais, ça, ouais. Ah, Comme si on sur la pense dans le tour, la quartier de côte folie l'Octave, il y a un grimpée. point d'observation sans tête fond à bas. Dans Wow. Voilà. c'est dans le 2, je crois que j'ai rencontré ça, moi aussi. Donc, Ouais, dans le 2, avec le DLC de la séquence 13. oui, Et un c'est point ça, c'est d'observation, ça, il n'y a c'est pas de ça. tête fond à bas. Je sais pas Exactement. pourquoi, à un moment je dis tiens, je vais sauter, je sais pas pourquoi il est mort ce con-là, bah oui.
Il y a le paysan qui a Du pris ta coup, femme qui s'est barré, quoi. Non, bon, c'est pas. Donc, vous avez tous connu ça, quoi. Donc, on va dire que c'est un des plus voilà, à peu gros. près. Où est-ce que vous Après, avez eu encore plus gros? t'as les fails des jeux, quoi, après, hein, parce que moi, je me souviens, il y en a deux. Bah, il y en a un pour Assassin's Creed Origins, j'ai rien pigé, où on devait tuer, je sais plus à quelle séquence, où on doit jouer... Merde, comment ça s'appelle ceux qui chantent, là? Hein? Ça Et commence par un... Ménestrel. Voilà, un Ménestrel. ménestrel. Ah, c'est dans Et à la fin, Révélation, à la fin, il y a le prince, là, qui allait se faire attaquer. Et Suleiman. faut le protéger en sautant sur le mec. Et au moment où je saute sur le gars, il y a un citoyen qui se crée automatiquement par le jeu. Du coup, je le tue. Et il y a marqué, vous avez tué un citoyen. Je fais d'accord. Ce genre de bug à la con, quoi. Ou sinon, dans Assassin's Creed 1, je me souviens, moi, ce que je voulais faire, c'était terminer le jeu, récupérer aucun drapeau et tuer aucun templier afin que je puisse, après, lorsque je vais terminer, regarder sur internet ou chercher tous les drapeaux et tout. Et au bout d'un moment, il y a un templier, il me poursuit. J'ai dit merde, faut pas que je le tue, je me casse. Et au bout d'un moment, il y a marqué sauvegarde automatique, vous avez tué un templier. Ce mec, il est tombé du toit, il est mort. Je fais super. Ouais, bah, à la limite, tu vois, quand il y en a qu'un seul, c'est pas très grave. Ouais, mais vraiment, ils sont débiles, quoi. Mais c'est vraiment les Moi trucs les c'était un plus... peu Mais... ça. Non Moi mais... j'ai un fail assez dégueulasse aussi quand il faut tuer d'un de tes membres à l'arsenal à Venise. Bah au moment je vais le tuer, genre j'ai deux fois, une fois j'ai fait le joueur, il est tombé dans l'eau. Et quand je l'ai fait pour mon walkthrough, je m'en souviens, je lance ma fumigène parce que les gardes faisaient chier, et je vise bien à l'opposé pour pas le tuer dans la fumigène, parce que je voulais que ce soit un truc stylé, et non ça le tue dans la fumigène, enfin. À chaque fois ça fail pas Non mal à mais cet endroit-là. en fait c'est le jeu qui crée des fails. Même dans Assassin's Creed 3 c'est abominable, il y a une sorte de fort au bout d'un moment où il y a plein d'eau autour, vous avez un pont et il y a sur les côtés deux poteaux en bois. Si vous vous faites pécho, vous attendez à côté des poteaux, les ennemis vont vouloir sauter sur le poteau tous ensemble, du coup bah, ils vont tous tomber à l'eau et à la fin il n'y en aura plus qu'un puis il va tomber et tout. Enfin il y a tout le monde qui meurt, c'est abominable. C'est atroce. Si, C'est... Oh là là. je sais que je comprends que c'est toi, Majemo, qui l'a rencontré, un gros, enfin un bon petit fait qui est sympa. Je sais pas si tu viens à Quand il y a tous Venise. les gardes qui pop à Venise, ouais. Quand tu tues le gars qui est sur le bateau avec ton pistolet là pour la première fois. Ouais, c'est ça. Et que tu Bah, je l'ai rencontres mis le sur la garde CO, là, ça. ouais. Là, quand j'avais vu ça, je me rappelle, j'ai dit bah putain. J'ai essayé, moi ça En a pas plus, j'étais en marché. live là, je filmais en live, j'ai fait ah! C'est un bug connu, mais je l'avais jamais vu, en fait. Ouais, bah en fait, ah si, il y a aussi le truc d'AC3 que j'ai vu, j'ai essayé. Vous avez essayé d'appeler votre dindon là, ou je sais pas quoi, dans Ouais, AC3? ça c'est un Dindon, easter egg dindon. ça. Bah en fait, tu vas dans le domaine d'Avenport, après, bon, après la séquence 6, tu te mets sur la droite, sur le mur de droite, tu siffles et il va y avoir un dindon qui va venir. Après, tu fais une Ouais. manipulation, puis il va mettre une capuche, puis il va te suivre. C'est ton dindon Voilà. assassin. D'accord. Ouais, Exactement. C'est un easter egg. tu regardes sur Oh la jeuxvideo.com, vache. Chibi. Et je me Bon, à demande à propos quel jeu ils d'easter font egg, moi le... référence. La pieuvre, j'ai jamais vu dans Okay. Assassin's Creed 2, hein. Et c'est pas faute d'avoir recommencé, hein. Tu l'as jamais. T'as jamais réussi à le T'as faire? La Jamais vu? pieuvre, je l'ai fait plein de fois, je l'ai jamais vu. Pareil. T'es le seul, mon gars. Moi, je l'ai fait. Ah oui, Dans non mais. mon walkthrough, d'ailleurs. Mais il faut rester longtemps à l'endroit, hein. Mais je suis Ouais. resté longtemps, mais genre super longtemps, Mais tu genre. vois une tentacule à un moment, mais t'es. Ouais, et après quand Ouais. tu le refais, elle sort de l'eau. Enfin, en plus on dit un Ouais. tentacule, je crois. Ouais, bah oui. Ouais, un tentacule, ouais, pardon. Mais non, mais normalement tu vois passer, et puis après il sort de l'eau et tu dois appuyer sur rond, genre pour les vidéos ou un truc comme ça. Oui, bah de toute façon vous regardez sur YouTube, hein, vous trouverez. Hein. Même Hibis, si tu veux Ouais. essayer, tu regardes. J'ai vu ça sur jeuxvideo.com, donc tu regardes et tu t'expliques comment faire quoi. Mais c'est ça qui m'a fait Ouais, commencer à c'est regarder des vrai. vidéos sur YouTube d'ailleurs. Hein. C'est là que quand je regardais les vidéos de la pieuvre, c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens qui postaient des vidéos. Et c'est par la suite que j'ai commencé à en faire. Alors, début 2010. Ok. Prochaine question. Quel a été pour vous le moment le plus triste parmi tous les Assassin's Creed? Le plus triste. Ah, j'ai pas envie de spoiler Ah Hachi. bah super, bah apparemment la fin du 3 c'est triste. Non mais moi c'est dans Brotherhood, mais bon, enfin. Voilà. On va Quel commencer par moment? GFX. Allez, GFX, premier. Dis-nous. Est-ce que t'as fait toutes les missions domaine, Hachi? Ah Pas merde. du tout. Chut, moi là. Oh Fuck. putain. Je pense savoir de quoi tu parles, GFX. Bah bien sûr, il y a Bien pas sûr, quoi. ça Ouais. c'est... Oui. Domaine, c'est avec Celle-là, Achille, c'est ça veut vrai dire que. qu'Achille va mourir, c'est ça? Et c'est la mort d'Achille. Putain, mais arrête de parler! Merde! Ah bah oui, bah en même temps, mais c'est super facile à deviner, hein, merci. Ouais, Bah c'est vrai. voilà, bah alors dans ce cas, c'est bon, Oui, donc, putain. comme GFX a vu, bah, vous voulez dire, c'est Achille qui meurt pour émission domaine, quoi. Faut avoir fait toutes les missions domaine. Voilà, c'est vraiment ce moment-là qui a été plus triste pour toi, quoi. Enfin, parmi tous les Ah AC. oui, co complètement. Parmi tous les AC, enfin, parmi tous les Bon, Assassin's bon, Creed. ah, mais tous, hein. Ok. Ouais, Yu-Yu, parce que... moi c'était bah, pendant la pendaison du Ouais. frère, enfin des deux frères de Ezio et de son père. Alors là franchement, Yu Yu a failli pleurer.
Oh, c'est mignon. Achibi? Là, c'était C'était tellement. pour la mort de Lucie, non, je rigole. Non, c'est... Non, alors moi, sachez que j'ai accroché parce que je me posais la question toujours dans les Assassin's Creed, dans la logique, si c'est un ancêtre et tout, c'est qu'il y a un enfant. Et moi, par exemple, pour Ezio Auditore, je m'intéressais beaucoup à l'histoire avec Christina qu'il avait. Et du coup, à la fin, bah, quand je voyais qu'elle était morte, c'était triste pour lui, quoi, parce que je sais pas, j'aimais bien cette fille et je voulais savoir ce qui se passait après la nuit d'amour folle qu'il y a au début du 2. Donc voilà. Et puis, ouais, non, Bah, j'ai accroché tu ça. regardes Fallout dans The World, il y a des missions de Christina, donc tu peux voir comment Ah ça ouais, finit un c'était peu Ah oui, dans. c'était Brotherhood. Ouais, non, Bah, c'était dans tu peux Brotherhood. regarder, ils les mettent après, justement. C'est même Majemo on a fait des vidéos, donc Ouais, voilà mais quoi. c'est dans Oui, mais c'est ce qu'on Brotherhood, dit, hein, hein. oui, qu'il y a ça. Voilà. Oui. J'ai. Bah, Majemo, même question pour toi. Bah, Christina, ouais, ah, c'est sûr. Christina aussi, ouais. Ouais, ça y est, c'est. J'ai. Quand elle meurt, j'ai. Enfin, toutes les missions de Christine, elles sont magnifiques. J'ai l'avant-dernière. Et la dernière, elles me font pleurer. J'étais triste pour lui. Ah oui, non, sinon il y a aussi au début du 3, la mort de la mère de Connor. Ah non, c'est pas. Oh Ouais, c'est oui, vers mais séquence ouais, ils 4 l'ont quand pas même, très hein, bien déjà. vendu, ça, je Oui, trouve. enfin, début, je parle. Ouais, enfin, plus Séquence début de 4, Connor, quoi, c'est enfin ça, oui, ouais. c'est le début encore, hein, oui, séquence 4, Ouais, quoi. voilà. Bah, ça aussi, Et c'était. Oui, c'était en plus, triste. quand il appelle sa maman dans sa langue d'origine, Ista! Ouais, c'est ça. Histoire, Ouais, exactement. il est censé avoir 5 ans, là, à ce moment-là. Ouais, 5 Ouais, ans. C'est pas il tout a à fait crédible, hein, mais. 5-6 ans à peu près, j'ai envie de dire. Non, Quel mais en est plus, le... il a 10 Donc, j'ai ans. la prochaine question, c'est quel a été le moment le plus drôle dans Assassin's Creed qui vous a fait le plus rire? Attention! Moi, j'en ai une. Bah, tout le monde l'a pensé, c'est quand tu vas cueillir des fleurs. Pour Christina, c'est la mission la plus Non, pitoyable pour de Sophie, Assassin's non. Ah Et non, c'est Sophie, bien moi pas Sophie. forcément, tu vois. Sophia, pardon. Ah, moi, c'est pas ça, mais le plus drôle, hein. Non, moi, Ah, moi, j'avoue. c'était péter la gueule du frère à ta sœur. C'était dans Révélation, je crois, quand on le revoit, j'étais choqué. C'est Non, pas le Duccio, non? frère. C'était pas Le Duccio. frère, mec. Ah ouais, ça m'a trop fait rire. Bah, tu le revois Mais même c'est dans. pas ça le plus drôle, mais sérieux, c'est en Yu-Yu, vas-y, rassure-moi. Mais non, moi j'allais dire dans BH, Voilà. mais c'est Moi, c'est dans le avec. 2, Bah, mais c'est bon. aussi. Non, moi c'est dans BH avec, bah, justement, cet homme. Ça, je sais même plus comment il s'appelle. Bartolomeo. Ah, le mercenaire là, oui. Bartolomeo del Viare, non. Moi, ce qui me fait plus Ouais, rire dans le voilà. 2, c'est Bianca. Bianca. Allez, dans le 2 déjà, oui, c'est pas mal. Bianca Bianca. Ezio. Et là, Ezio Bianca. je vais te présenter ma femme. T'as regardé sous la table? Et dans vos routes, c'est ça, mais en fait, les deux blagues, enfin, ils sont ensemble, quoi. Ouais, ça. Non, mais dans le 2, il y a aussi, pour attaquer Arsenal, il faudrait être plus que 2, enfin, plus que 3 pour attaquer, pour mentionner l'épée. Ouais, moi aussi. Ok, bah Chibi, qu'est-ce qui t'a fait Bah, moi bien j'ai. rire? Bah, j'ai déjà dit, moi. Il a dit. Ah, il a dit, Moi, moi j'ai pas. Ok, Majemo, bah il a dit, c'est à peu près la même chose. c'est Bianca. Et Bianca, oui, Yu-Yu, ça c'est c'est. Fantasy Lair. Bah, moi, franchement, moi je sais que ce que j'ai bien aimé, enfin, qui m'a fait rire, mais en plus, c'est le meilleur conseil qu'on nous ait donné dans Assassin's Creed, c'est le 2. Tu sais, quand tes parents, enfin, quand ton père et tes frères sont pendus. Et après, tu te rappelles, t'avais rencontré le mercenaire et la. C'est un voleur et la Non, courtisane. le La voleur, la courtisane, courtisane, et il puis fait quand il court dit petit. mercenaire, à un moment, quand tu les rencontres pour la première fois avant, quand il dit Ah oui. moi je suis pas contre, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. Tant pour moi. Ouais. C'était pas mal aussi. Ouais, celle-là aussi. Et dans le roman, il dit que lui, il a la laine qui s'enlaille. Mais bon. Ouais. Dans les romans, l'auteur, il sera obligé de préciser la laine de chaque personnage qui s'adresse à Ezio, c'est trop marrant. Pour montrer que c'est un clochard ou que c'est un vieux ou que c'est un voleur, une courtisane, faut toujours qu'ils sentent telle odeur ou telle odeur, c'est assez marrant. J'ai envie de dire la courtisane, on peut déjà se douter un peu de ce que ça sent, mais bon, voilà. Il y a des enfants, on va rien dire, hein? Il y a des enfants. Assassin's Ah Creed mon est Dieu. Peggy 18. Oui, Donc, Peggy 18. Oui, enfin, qui c'est Mais qui tout le monde respecte y le. joue à 14, non, oui. Qui c'est qui joue Peggy 18, perso? Tu sais, quand les parents vont acheter, tu sais, ils font Moi pas. j'ai joué à 16 ans, tu vois, mais bon. Ouais. Ah, comme on dit, quand j'ai bien vu, moi j'ai joué à GTA San Andreas, j'avais 14 ans, et normalement c'est Peggy 18 aussi. Moi mon père il a confisqué Call of Duty et GTA, hein, mais bon après. Ah oui, ça allait par les parents, quoi. Vu que mon père, il connaît. Moi j'ai de la chance, vu que mon père, il connaît rien dans toutes ces technologies, j'étais tranquille, moi. Ça m'aime bien. Moi Donc c'est on va pas. l'inverse, il s'y connaît beaucoup trop. Donc on va passer à quelques questions sur la Origins, si vous êtes d'accord. Donc pour commencer, pourquoi Assassin's Creed Origins pour le nom? Alors, est-ce qu'on doit redire les origines de la chaîne?
Bah, c'est ma prochaine Ouais. question, Alors, donc. la question Il y a des après. jeux de mots là. Bon, bref. Bah, Origins, c'est qui l'a trouvé? C'était pas toi, Hugues? Non, Mais on avait. c'était moi. Je sais plus. Je Moi, j'étais sais pas qu'on là. cherchait et tout, on aimait bien l'encyclopédie, mais il y avait déjà le site de En fait, Icar. on voulait faire quelque chose comme genre le diminutif d'ACR, d'ACBH, de. Voilà, on voulait un nom qui soit raccourci pour que ça se retienne facilement. Et on s'est dit, bon, dans tous les Assassin's Creed du jeu, enfin des jeux, hein, il n'y a aucun ACO, donc on s'est dit, tiens, ça sera un peu comme notre jeu vidéo ACO, voilà, tout simplement. Donc oui, bah, prochaine question, si vous voulez en parler, bah, comment a été créé la Assassin's Creed Origins et par qui? Alors, il n'y a pas, enfin, alors à la base, toute base, c'est Franck qui a créé une chaîne appelée AC Zone, qui existe toujours, mais qui est, voilà, inactive, hein, suspendue, même pour toujours. La AC Zone que Ken avait créée, puis un ancien youtubeur dont je salue, Cooltaker, et moi avons proposé à Ken de créer une autre chaîne communautaire où on serait les trois. Donc en fait, la ACO a été créée par moi, Cooltaker et KN. Sinon, on va dire, c'est Franck, donc qui est 41-30, qui a créé la première chaîne communautaire sur Assassin's Creed, qui a pas duré longtemps, puisque la ACO est venue très rapidement après. Puisque à la base, voilà, Ken, lui, je sais pas s'il avait une grande expérience de Assassin's Creed, et donc avec Cooltaker, on lui avait proposé de venir avec nous pour faire une chaîne qu'on gérerait à trois. Et Mais Franck, il connaissait déjà Hachi quand même quand il avait fait la saison. Il y avait des il vidéos semble de pas. Il Ouais, bah semble pas. ça, on expliquera après ça. Ouais, Ouais. c'est justement ça après, justement. Donc, Voilà, voilà, voilà. c'est ok. Donc, j'ai une question bah, pour ceux qui sont arrivés après la création. Donc, Majimo, Hachibi, si je dis pas de bêtises. Bon, et puis Yuyu, d'un coup. Non, Yuyu, il était Enfin, avant comment moi. avez-vous intégré, quoi? Enfin, pour ceux qui sont arrivés après. Mais on a intégré la création, enfin je dirais moi je connaissais Yu depuis très longtemps, lui il connaissait JFX C'est que moi qui vous êtes faisais le rentré lien, sur le ouais. multi, non je suppose ou... Bah ouais, enfin ouais, c'était ça, ouais, entre guillemets. Ouais. C'est... Franck il m'avait déjà envoyé un message quand il avait créé la saison, il m'avait envoyé un message pour que je rejoigne sa chaîne. Et ça me paraissait pas grandiose, et après quand JFX m'a montré la CO, bah ça me paraissait déjà beaucoup mieux, sauf qu'après Voilà. effectivement il l'a créé avec Cooltaker. C'était surtout pour déjà ramener plus de monde sur une seule chaîne, et aussi pour parce qu'en fait, je sais pas si vous voulez être en partenariat avec BF Zone, mais BF Zone a vite lâché et on s'est dit fallait re retrouver un nom et faire une nouvelle chaîne, quoi. Bah, je pense qu'on a nos explications, il n'y a pas de problème. Donc, Ouais. prochaine question, si vous avez fini, pas si vous avez des trucs à Ouais, rajouter. ouais, ouais. Ok. Donc, pensiez-vous, le jour où vous avez créé Assassin's Creed Origins, avoir, alors attention, les chiffres sont de ce matin, 1877 abonnés et 179 323 vues sur YouTube. Oui, on a même pensé en avoir 1 million. Pensiez-vous avoir ça quand vous l'avez fait, quoi? Non, mais en fait, bah, je vais laisser répondre quelqu'un d'autre, Bah, tiens. en un an, je pense quand même qu'en pensant en avoir un petit peu plus quand même par rapport au succès des chaînes communautaires. Après, c'est vrai qu'Assassin's Creed, bah, c'est pas vraiment Assassin's Creed le problème dans le sens où bah, voilà, la série est connue, on peut faire pas mal de choses là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau des vidéos, ça marche pas pareil. C'est pas un Call of Duty ou Halo, il n'y a pas le même nombre de modes de jeu, c'est assez restreint. Donc, pour faire des vidéos, faut jouer sur le commentaire, énormément sur le commentaire et sur le gameplay. Alors que sur les autres jeux, pas forcément, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Et là, il y a beaucoup de montage aussi qu'il faut faire. Enfin là, il y a beaucoup plus de travail, je trouve, que pour certains jeux Ah, qui sont plus exactement. faciles à Ouais. faire. Moi, je vais dire un truc par rapport au nombre d'abonnés, c'est que c'est très difficile de monter, si, enfin de monter dans le sens grimper les abonnés, quand d'énormes d'autres chaînes vous cachent, parce que le jeu est majoritairement présent sur YouTube. Je parle pas d'Assassin's Creed, hein, je parle de plein d'autres et j'ai pas envie de les citer. En fait, la popularité Assassin's Creed est très très populaire, mais pas sur YouTube, parce Ça que commence en France, ça commence, mais ça, en ouais, France, ça mais commence, tu vois, mais même, c'est pas encore ça. Je veux dire, comparé à d'autres jeux qui sont tellement plus développés sur le monde de YouTube, il y en a plein qui ont percé grâce à ces jeux. Maintenant, c'est impossible, parce qu'il y a vraiment trop de monde qui font des vidéos sur ces jeux tu ne en peux pas question. citer parce que Bah, pff, allez, il y a Minecraft, Battlefield, Minecraft, il y a ouais! Minecraft, Call ouais, of, mais tu pleures. il y a Non, mais League of Minecraft, Legends en France, aussi. c'est vraiment Minecraft.
Ouais, c'est Voilà. bon, c'est Bon, ça truc qui est. de ouf, ça. Mais après, c'est de mode, alors après, ça dépend. Et nous, on essaye justement de faire développer ce jeu sur YouTube, parce qu'il a du potentiel, le jeu sur YouTube. C'est juste que les développeurs font pas toujours en sorte de nous faciliter la tâche, quoi, c'est Et puis tout, hein. même, les gens ne sont pas prêts aussi. Je te dis un truc plus concret, mais en fait, si tu veux, quand tu dis que Assassin's Creed sur YouTube, c'est pas représenté, en fait, le problème, c'est que c'est la démarche, elle va être inverse par rapport aux autres jeux. Ça va être l'inverse parce que maintenant, en fait, Ubisoft, c'est ceux qui sont le plus actifs, entre guillemets, enfin, bon, Electronic Arts, ils font pas mal de choses, même Activision sur YouTube maintenant, parce qu'ils ont vu que Call of a du succès. Mais Ubisoft, ils font l'inverse. Ubisoft, ils, entre guillemets, achètent les YouTubers. Parce que oui, c'est la vérité, malheureusement. Hein. Avant, les éditeurs, ils s'arrangeaient avec les blogueurs, maintenant, c'est les YouTubers. Mais Ubisoft, maintenant, ils visent les YouTubers les plus connus pour leur faire faire. Des jeux Ubisoft. Donc Assassin's Creed il va être populaire. Malheureusement, ça va pas être par des gens passionnés comme nous, ça va être par des gens qui sont connus. En l'occurrence, pour quelqu'un comme Siphano, ça va être qu'il s'est fait connaître grâce à Minecraft et que lui, c'est avant Exact. tout un let's player de Zelda et Pokémon. Bon, voilà. Moi, ce Et qui me fait rire, les. c'est les gens connus justement qui font des let's play sur AC3 et qui comprennent rien. Voilà. Et en fait, c'est Ah, ça. Donc moi, c'est tout Assassin's de même. Creed, c'est pas une question de popularité sur YouTube. Assassin's Creed, au final, depuis le 3, enfin déjà depuis Révélation, il y a, allez, Ouais, au c'est vrai. moins 10 walkthroughs d'Assassin's Creed 1 qui se sont faits. J'avais déjà fini le mien. Mais depuis la sortie de Révélation, il y a plein de gens qui ont fait le 1. Alors que si ça se trouve, ils avaient même pas joué à 2, au 2, tu vois. Et après, il y a peut-être des let's play du 2 qui sont sortis, de Brotherhood, j'en ai eu plein. Et du 3 encore plus. Donc à mon avis, ça devient populaire. Le problème, c'est que. À l'inverse, c'est les spectateurs qui sont pas prêts. Enfin, le type de contenu est encore trop éloigné des jeux d'action, ouais, comme disait Hachi, de Halo, Call of ou Battlefield. C'est vrai que malheureusement, en fait, en gros, ils prennent les youtubeurs qui ont un nom pour faire ça, malheureusement. Exactement. Oui, C'est là dommage, c'est vrai que complètement. c'est dommage. Il y a, même on parlait, enfin, j'ai même vu, je vais revenir, donc tu avais reçu un membre du groupe, enfin, Pseudos, du Critical Damage. C'est comme eux, ils font des bons trucs, et puis malheureusement, ça a du mal à décoller. C'est dommage, quoi. C'est des bons trucs, après, ils peuvent. C'est ça qui peut peut-être vous tuer, peut-être un peu, mais bon, après, c'est déjà bien, quoi. Sur YouTube, les gens ne suivent pas ils suivent pas un contenu, ils suivent une personne. Et c'est pour ça que les chaînes communautaires, ça a pas mal de mal. Exactement. Regarde la différence entre une chaîne comme celle de Siphano. Bon, je le cite parce qu'il est super connu. Et en fait, les gens le suivent lui. N'importe quel contenu, ça va leur plaire. Quelqu'un comme Atomium ou comme Pseudoless, genre, ils ont beaucoup moins d'abonnés. Genre, même Baltou, maintenant qui fait du Minecraft, il va dépasser Monsieur Dérive. C'est non, les gens, je suis vraiment une personne, il y a du contenu, bon, voilà. Mais c'est pas le nombre de vues et d'abonnés n'est jamais proportionnel au travail qui est fourni. Sauf peut-être pour le joueur du grenier. Ouais, mais ça c'est spécial encore ce genre Ouais, de. c'est encore un autre Bah, truc, ça. Pseudoness, moi je préfère ce que fait Pseudoness que ce que fait joueur du grenier. Je trouve ça plus fin, plus travaillé. Plus marrant, enfin c'est bon, après c'est. Ah bon, bah. C'est ça, mais bon. Enfin, c'est comme on dit, déjà, en un an, déjà, je trouve que c'est pas mal, quoi. Enfin bon, après, comme on dit, il y a pire, C'est pas mal, ça y a pire, il y a mieux, quoi. Bon, il y a mieux, ça c'est Oui, mais sûr, mais il y a quand tu pire. me demandes si on Pire, il y a s'attendait à toujours mieux. avoir ce nombre d'abonnés, moi quand j'ai rejoint la, enfin quand on a créé la CO, moi j'avais plus de 1000 abonnés déjà. Donc Oui, t'en avais non, 2000. En fait, toutes les personnes qui vous suivaient un par un ont rejoint la SEO par derrière, donc au moins c'est. Surtout GFX, y a un double effet quoi. GFX c'était les deux en même temps quoi. Les deux que les Ah communautés ouais. grandissaient proportionnellement avec la chaîne de GFX. Exactement. C'est incroyable. Enfin, c'était Il une y avait un Mais là, concours là, elle entre m'a sa dépassé chaîne la SEO. et celle de la SEO, c'était assez drôle. Mais la SEO m'a dépassé. C'est vrai que bon. Enfin, après, comme on dit, je vous ai connu, c'est vrai que je l'ai dit dès le départ, je vous ai connu par rapport à ma Gémeaux, c'est toi que je t'ai connu en premier. Donc tu vois, c'est que. Puis bon, bah après, j'ai suivi tout le monde qui était dessus, puis bon, bah voilà quoi, Bah, c'est. Magemo, Voilà, voilà, avait la plus grande c'est. notoriété Peut-être. dans ce monde-là, Bah, il hein. y a beaucoup de gens qui ont connu GFX aussi, je crois. Après, moi, je faisais surtout 100% Assassin's Creed, quoi. Donc, ceux qui étaient intéressés seulement par le jeu venaient. Lui, Magemo, faisait du Assassin's Creed aussi, beaucoup de montage à l'époque. Il variait pas mal les jeux. Enfin, j'ai pas énormément de montage, mais les gens me suivent pour des walkthroughs, pas pour du. Enfin, quand ils font du multi, je suis content, mais comme maintenant je joue jamais au multi, je suis mauvais, bah. Les gens me suivent que pour les walkthroughs.
C'est même dommage, quoi. Il y a beaucoup qui suivent. Moi, je sais que je regarde. Quand j'ai le temps, j'essaie de regarder tout, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, malheureusement. Ah bah après, en Ça, même temps. comme on dit, enfin, c'est de l'argent, on va dire. Mais c'est vrai que, en plus, ouais, j'étais même pas connu sur YouTube directement, mais Géo, tu vois, c'était même sur le site qui a fini, là, c'était Gear Network. Donc, tu vois, c'était vraiment un truc spécial jeu vidéo, donc on va dire que c'était un coup de chance, quoi. Donc, puis maintenant. Ah ouais, je pensais pas. Ah oui, c'est vrai, mais tu me l'avais dit l'autre jour, mais. Ouais, bah, d'ailleurs, même qui a Bah là, fermé, on m'a c'est ça y est, dit. c'est fini, fermé, Ouais, c'est pof. fini, bah c'est D'ailleurs, bon. c'était très triste parce que je voulais aller revoir une dernière fois pour regarder les titres que j'avais donné aux épisodes. Parce que sur Game Network, je proposais quelques trucs en plus par rapport à YouTube, des titres aux épisodes par exemple, et des miniatures différentes parce qu'on pouvait le faire, et là, tout est perdu quoi. Ouais, c'est du. J'aime pas, ils ont dit un protest, et encore, ouais, je trouve ça dommage, mais bon, après, malheureusement, c'est pas nous qui décidons, malheureusement. Donc, voilà. Mais bon. Bon, bah, on va passer aux questions des abonnés, les amis. Ouais. Parce que j'ai fini avec les miennes. Puis je vois que le temps passe aussi, donc on va essayer de vite finir aussi. Ça fait déjà plus d'une heure, je crois. Ouais. Donc, première question, l'abonné Luc Rossignol sur YouTube. Allez-vous mettre du AC3 Libération? Ah, alors là, cette question, on se l'est posée 1 million de fois. Alors moi, j'ai une Dis-le. question, moi aussi. Est-ce que tu vas me trouver un moyen pour bien enregistrer? Oui, C'est non, mais vrai, là, non, mais c'est pas c'est ça le ça le problème, parce que, débat. enfin, oui, enfin, le problème, c'est Tu ça, n'as mais je veux pas. dire, on regarde Kane, par exemple, il a trouvé un bon moyen de le faire. Mais après, faudrait que Exact. les autres le trouvent par eux-mêmes, qu'on leur dise pas, vous faites ça, puis vous le faites. Parce que faut savoir quand même que dans Assassin's Creed Origins, nous, on n'est pas vos supérieurs, et où nous ne sommes pas vos esclaves, et vice-versa, quoi. C'est les idées, vous devez les trouver par vous-même. Si on doit vous donner les idées et qu'après vous faites ce qu'on vous demande, ça va pas le faire. Ça sera, comment dire, une dictature carrément. Donc, vraiment, faut trouver par soi-même. Dès qu'il y a chaque problème a sa solution, j'ai envie de dire. Donc, nous, Exact. c'est pas nous qui allons proposer Assassin's Creed 3 Libération, c'est vous qui devez le proposer et nous qui devons le poster si la qualité semble plus que correcte. Enfin, correcte plutôt Ouais. parce que Non, là, on pourra pas c'est vrai. faire. Non, mais on a. Ce que, mon avis, la question, c'est ce que vous allez en poster. Je sais pas si c'est la même personne, mais on a reçu une vidéo de Libération et on l'a pas mise parce que c'est de. Enfin, tu vois, c'était filmé et qu'on disait qu'on prenait pas des vidéos filmées. Mais c'est vrai que moi, je me pose aussi la question de savoir comment filmer. Et si je trouve un bon moyen, je vous le dirai aussi parce que moi. Sur ma chaîne à la base, j'ai prévu de faire toute l'histoire et Libération est quand même très important. Et puis j'ai envie de me le filmer, rien que pour moi, parce que comme le jeu, bah, je vais l'emprunter en YouYou, je voudrais pouvoir à tout moment revoir le jeu pour l'histoire parce que je vais pas le rejouer plein de fois vu que je vais lui emprunter le jeu. Ouais. Après, faut c'est vrai que c'est déjà on a déjà le HDPVR pour les consoles de salon. C'est vrai qu'après, faut s'adapter. C'est vrai que c'est peut-être que ça, Non, mais peut-être c'est. Y a rien, en fait Sony a dit, en théorie, il n'y a pas de sortie, mais il y a un multi-connecteur, on pourrait peut-être, je sais pas, éventuellement prévoir éventuellement, une ouais. sortie ou plus tard un émulateur pour PC. S'il y a un émulateur, mais là, bon, on peut toujours rêver, hein, ça met 3 ans à sortir. Ouais. Moi, j'ai bien enregistré la PSP sans aucun problème parce qu'elle était faite pour être connectée à la télé. Mais la PS Vita, ils voulaient que ça reste bien portable et tout, et bon. En fait, peut-être que ouais, le fait que t'as ta PS Vita qui empêcherait peut-être ou peut-être qu'il faut falloir qu'il fasse une mise à jour, enfin un truc comme ça, quoi. Donc, mais c'est vrai que je sais déjà que, comme vous l'avez dit, il y a Ken qui a commencé un let's play sur AC3, donc allez le voir et puis vous verrez. Ah, c'est trois libérations, Bon, du coup. AC3 Libération, Ouais. excusez-moi, Ouais, j'ai. mais c'est une bonne qualité ce qu'il fait, ce Ouais, type. franchement, Ouais, on sait bien c'est. ce qu'il fait. Il a géré. Il Mais a après, mis. voilà, tu peux pas rester 1 heure et demie à Ouais, façon de avec tout le sommer, tenir, c'est avec... sûr. c'est dur. Hein. Moi, pour la PSP, j'avais essayé, c'était dur. Il faut un trépied et tout. Il a C'est plus de ça, bras, quoi. même beau mettre être assis, des choses comme ça, c'est vrai que c'est fou le matos, tout ça, mais bon, Non, c'est mais ça. YouYou, même avec un trépied, tu dois avoir les bras devant, en fait, ta caméra, c'est très chiant. Ouais, Moi, j'ai mais un ouais, c'est trépied vrai. et tout, mais ça, c'est compliqué, à moins que ce soit au-dessus de toi, enfin, bon, voilà. Bah comme on Compliqué. dit, donc s'il veut voir du AC3 Libération, on va voir Kenny, il a commencé. Un petit let's play. Donc voilà. Ouais. On va chercher un Moi, moyen j'ai tout ça. d'avoir la... fixer la Alors, caméra à la console portable, en fait. on t'écoute, Nico. Donc, je sais pas si je le prononce bien, parce qu'il y en a qui ont des pseudos, quand tu me dis, mais il est pas mieux. The Tweedman, alors dans quel environnement aimeriez-vous jouer AC4? Enfin, ou le prochain Assassin's Creed? Peu m'importe tant que c'est bien. Ça c'est Ouais, fait. c'est ça en fait, hein. Franchement. Tous les environnements sont largement possibles et exploitables tant que c'est bien fait. Ouais, Bah, c'est vrai. après moi, esthétiquement, rien qu'en regardant les images, j'ai été bluffé. En Chine, ça me dérangerait pas du tout. Ouais. Je trouve ça Ah tellement beau les oui. bâtiments là-bas que. Ah ouais, Bah, c'est j'aimerais une vraiment culture quoi. spécifique, hein. Si c'est en Chine, vraiment, Ah ouais, mais ça va être c'est j'imagine marquant, tout. quoi.
Bah, t'as aussi, t'as les credos et tout là-bas, t'as la musique, j'imagine bien la musique, enfin, je vois tout là-dedans, quoi. Ou même en Égypte, ça pourrait être pas mal, t'imagines, t'es un esclave et tout. Bon, Ouais, après, bon, on mais. t'est sur des pyramides, voilà, quoi. Mais. Ok, si on va en Égypte, je Non, sais qui mais on sera. l'Égypte, en fait, il y a Ubisoft qui a fait un projet secret, entre guillemets. Bon, on n'en sait pas plus, je sais même pas si c'est arrêté ou pas. Le saut de la C'est foi, c'est une glissade Osiris. sur la pyramide, en fait. Ils Non, sont ce tout serait bien. beaux. Ouais. Non, mais donc le jeu s'appelle Osiris. Bon, après, je sais pas s'ils Mais ont continué Osiris, à le c'est pas développer ou Assassin's pas. Creed, c'est Ouais. plutôt un Prince of Persia. Mais non, oui, je sais, c'est ça. Mais. Bah oui, mais ça prend les bases quand même d'Assassin's Creed. Et puis Ouais, même, mais il a l'air vraiment. il. C'est C'est pas mal. en Égypte aussi, enfin, mais c'est ouais, ça a l'air vraiment joli. Bon, après, on n'a pas plus d'infos que On ça dessus. verra. Mais bon. C'est comme quand les premières images d'Assassin's Creed étaient sorties, quoi. Tu sais pas comment va être le jeu, Ouais, rien du c'était tout, quoi. spécial, hein. Comme, enfin, Prince of Persia Assassins, en fait. Bah, d'ailleurs, Sinon. c'était ça à la base, Voilà. hein. Ouais, Prince of Persia Assassin. Bah moi, Next. c'est vrai que j'ai beaucoup vu. Ils parlent beaucoup de Brésil ou de Chine, donc c'est vrai qu'après, faut voir ce qu'Ubisoft font et puis s'ils gâchent pas le truc aussi, ça c'est. Bah Pas attends, moi je veux dire un Brésil, non, truc. ça c'est Mais clair. pour la Chine, d'accord, mais moi c'est vrai que ça fait quand même 4 ans qu'on attend qu'ils proposent quand même la Révolution française. Mais Aussi, bon, alors. j'aurais aimé que ce soit Patrice Moi je Desilets qui l'attends s'en pas charge. spécialement, hein. La Révolution française, je l'attends pas. Hein. Moi si, mais j'aurais aimé que ce soit Patrice Desilets. C'est lui qui a, il a dit, il était dans l'interview de Patrice Desilets, il dit que lui il est fan de tout ce qui est changement historique. Et il a eu ça avec la Renaissance. Ils ont pas exploité la découverte du Nouveau Monde, mais bon, là c'était un peu entre les deux, quoi. Mais et il a dit, et c'est un grand fan de la Révolution française aussi et de la Préhistoire. Donc Oula, la Révolution bah non, française, il l'aurait enfin. sûrement traité dans Assassin's Creed s'il était resté dans l'équipe. Et en plus, Ouais. ça ferait le spin-off parfait pour Connor, mais après, ça ferait un jeu médiocre, hein, on sait très bien. Ça, après, s'ils nous Ça ferait sortent. un Rose Road 2. Assassin's Creed Révolution. Ah non, ça c'est. Ouais, c'est. Bon, bon. Bon, on verra bien, comme on dit. De toute façon, on doit attendre et Ouais. puis on verra bien. On doit rester sur notre faim. Ouais. De toute façon, on vous tiendra au courant quand il y aura Bah, moi des pour nouveaux l'instant, jeux j'ai vu qui le sortent. Brésil et la Chine. De toute façon, vu que je vous suis beaucoup, puis que j'essaie de participer au maximum à mon niveau à votre chaîne, dès que je trouve un truc, je vous dis quoi. Moi j'ai pas joué à Libération donc je peux pas savoir. Je sais qu'il y a pas mal d'indications pour la France aussi à la fin de Libération. Enfin, ce que j'ai compris. Hein. Même dans les questions d'Initiate, si t'as fait gaffe, il y avait pas mal d'allusions pour la Ouais, dans France. Initiates, ouais. Ouais, et Mais bon. d'ailleurs, il y a eu un gros bug sur Initiates, mais bon. Ouais, ça c'est pas le sujet. Si tu l'as planté. C'est Assassin's Creed, S'éloignons hein. pas. On t'écoute, Nico. Ok. Donc, c'est la question. Enfin, il y a plusieurs questions de tranchant 22600. Donc, tranchant, il va vous trancher. Non, je rigole. D'habitude. Quand même, quand même. Aimez-vous plus ou moins l'histoire après avoir joué à AC? Donc, Bah oui, sinon on Oui. serait pas en train de faire des vidéos, enfin. Voilà, ça Oui. répond. Ça Moi je le mets dépend avant, quoi, parce personnellement. que. Ouais, l'histoire du 1 et du 2, il n'y a rien à dire. Après, bon, Brother Root, j'ai bien aimé, mais c'était pour moi trop Assassin's Creed 2, quoi. Et Révélation, après, bon, ça c'est. Non, mais il te C'est une demande de il erreur. parle d'histoire avec un grand H, hein. À l'histoire en général. Ouais. Ah. Oui. Ah, Donc, mais moi, j'ai. Révélation, je me suis pas passionné de l'Empire Ottoman après, hein. Enfin, Ouais, c'est alors que sûr, c'était ouais, avant, pareil. ça va. Après, c'est chacun comme le sent, quoi. Le contexte était mal exploité, alors que un truc comme le 1, le contexte du 1 donnait vraiment envie de fouiner dans les archives de l'époque. Le Ouais. 2 aussi d'ailleurs. Le 2 aussi, ouais. Le 3 C'est beaucoup vrai. moins, parce que bon, on connaît déjà tout, quoi, c'est trop précis, trop récent. C'est pour ça que le contexte historique est moins bien exploité dans le 3 aussi, où Connor il est quand même relativement passif au final par rapport aux événements historiques. Donc c'est vrai, mais il faut aimer l'histoire avant quand même. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais j'avoue, c'est vrai qu'on est peut-être plus en retrait qu'avant, peut-être, que les anciens, peut-être. Enfin bon, après, c'est. Ils ont pas le choix, hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah, la prochaine question, toujours de tranchant. Comment vous êtes-vous rencontrés? Bah, vous l'avez déjà Ouh, demandé. faut faire dans l'ordre là par contre, hein. Ouais, alors là, ça va Le premier, être. c'est Julio et moi, je crois, non? De quoi? Le premier à se rencontrer, c'est toi et moi. Ouais, alors ouais, c'était toi et moi. Ensuite, moi j'ai rencontré Jeff Hicks. Ah, vous Et êtes Yu-Yu m'a rencontrés fait comment? rencontrer Justement, c'est la Majemo. question, justement. Bah en gros, bah oui, bon, bah avec Majemo, on s'était rencontré sur un forum. Voilà. J'avais pas commencé les vidéos quand je me suis inscrit sur le Ouais, forum. exactement. Ouais. Ah, ça Où on date avait quoi. parlé et tout ça. Et ça date de très longtemps. Bah, Ça fait c'était 3 ans. début 2010, fin 2009, début Ouais. 2010. Les DLC étaient pas encore sortis, je crois, d'Assassin's Creed 2. Ouais, c'est ça. C'était vraiment Ça quand fait j'ai longtemps. commencé. À peine j'ai commencé à jouer à Assassin's Creed, comme je suis tombé amoureux de la série et j'ai trouvé ce forum. Et voilà.
On va pas détailler sur le forum parce que bon, voilà, Ouais, voilà. c'est des souvenirs, mais bon. Okay. Et puis donc après les autres se sont rencontrés comment? Enfin. Et qui Mais après, après? moi, YouYou m'a fait découvrir Majemo. Quand on Ah, était sur d'accord. YouTube mutuellement. Après, il y a eu C'était bien longtemps Franck. après. Franck que vous avez rencontré sur la Assassin's Creed Zone. Moi, en Voilà. général, Et je m'en à... souviens pas de comment je rencontre les gens. Enfin, Bah, ça à dépend Chibi. après. Bah, Gémeaux, toi, je sais que c'était dans le tas. Ça, D'un c'est coup, sur sûr. Skype comme ça, quoi. Enfin. Ouais, voilà. Après, moi, ce que je me rappelle, bien sûr, c'est Kane, quoi, c'est Franck. Car bon, moi, à la base, bah, je faisais des vidéos depuis, je sais pas, 2-3 mois à peine, depuis pas très longtemps. Et je suis allé sur un forum de jeuxvideo.com où il y avait donc un forum comme quoi, oui, une chaîne communautaire sur Assassin's Creed, donc la Assassin's Creed Zone. Et du coup, bah bon, il n'y avait pas grand monde qui postait de vidéos, bon, elle venait d'être créée il y a pas très longtemps. Il y avait 2-3 personnes, je crois, il y avait Samy et Shydish, si je me trompe pas, qui est dans ma liste d'amis sur Xbox. Et du coup, bah ouais, j'avais proposé. Et j'avais vu les commentaires et tout, on m'avait dit ouais que j'avais l'air sympa, que je commentais bien, enfin ouais, ça m'avait fait plaisir. J'avais fait une autre vidéo du coup pour la chaîne, et au bout d'un moment, je vois que la chaîne elle marche plus depuis quelques semaines. Je commence à me dire merde, qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'il y a un mec, je me suis dit putain, c'est qui ce con qui dit viens, j'ai à te parler. Je dis ok, c'est qui ce gars-là? Pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc cette personne s'appelle GFX. Et Tu caches des trucs, hein. du coup, après, bah, il y a eu une vidéo ouais, que j'ai vue, bah, il y avait YouYou dedans, Kooltaker et GFX qui faisaient l'annonce de la Assassin's Creed Origins. Du coup, je me suis intéressé. Je crois que j'avais fait 3-4 vidéos pour la chaîne, elles sont toutes passées. Et au bout d'un moment, bah, on m'a dit, il y a Franck qui m'a carrément invité. Je sais pas, il a voulu parler avec moi et tout. On a vraiment sympathisé. Je crois que des fois, je lui parle 5 à 6 heures le soir. Enfin, c'est hallucinant le nombre d'heures que je lui parle à ce gars-là. Et ouais, bah, au bout d'un moment, j'avais fait une vidéo. J'avais organisé un tournoi avec mon ami Alexis. Et il y avait donc une vidéo qu'on a faite qui est, je pense, l'une des meilleures que j'ai pu faire pour la Assassin's Creed Origins, qui était bien sympa. Et donc bah, après un soir, je reçois un appel de Tourtereau qui font Eh Hachibi! Il était 2h du matin, hein. Eh Hachibi, t'es trop drôle dans ta dernière vidéo! Pendant 10 minutes, j'ai rien compris. Du coup, je fais, ouais, les mecs, il est 2h du matin, donc c'était GFX, encore. Alors, je sais pas si t'étais avec Yuyu ou avec Julien, par contre, ou c'était les trois, peut-être. Bah justement, on était là tous les trois en Ok, fait. donc il y avait les trois, donc ouais, bon, moi, bon, Ouais. j'étais content, mais en même temps, je savais pas trop s'ils se foutaient de ma gueule ou pas. Parce que bon, ils Bah non. étaient en train de rigoler, mais tu pouvais pas en placer une, tellement que c'était mort de rire. Du coup, je fais, bon, bah, à bientôt! Et puis voilà. Et après, bah, j'ai parlé avec eux, j'ai vraiment sympathisé, j'ai joué avec tout le monde un petit peu, j'ai appris, bah, après Majemo, on a eu des bons délires avec Majemo Ouais. pendant Ah ouais, quelques oh temps. punaise. Oh, je m'en rappelle de... Avec Oh mais Hachibi. oh là là. On a failli Oh mourir au bout d'un moment, tellement qu'on rigolait. Non, vraiment, on putain. a vraiment sympathisé entre nous. Et après, bah, il y a Franck qui m'avait proposé d'être administrateur, on en a parlé aux autres. Et ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de problème. Et après, bah, je suis devenu depuis juin, je crois, administrateur avec eux sur Assassin's Creed Origins. Donc vraiment, j'étais un abonné à la base, hein. J'étais quelqu'un Ouais. de normal. Et puis voilà. Ok, bah c'est une belle histoire tout ça. Hein. C'est en fait c'est une chaîne de dingue parce que ça a commencé avec des dingues et puis ça C'est continuera avec des ça. dingues. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc bah, prochaine question toujours de tranchant. Pourquoi ce jeu et pas un autre? Comment Parce que ça? ce jeu est pas un autre. Sur pourquoi une chaîne C'est parce que. communautaire sur Assassin's Creed? Et pourquoi pas? Moi là je réponds juste pourquoi pas quoi. On est fan du jeu. On s'est regroupé quoi, ça paraît logique hein. Si on aimait un autre jeu, on aurait fait un autre jeu. Exact. Je vois pas C'est trop quoi sûr. répondre. Un truc pas déjà fait quoi aussi, hein. C'est la nouveauté qu'on Next. cherchait. Oui, Non, mais c'est vrai, non, mais pourquoi est-ce que nous on est fans de ce jeu et pas c'est particulièrement d'un clair. autre? Bah, Alors, on c'est l'a ce dit, qu'on le a tous répondu dans scénario, comment ouais, pourquoi on préfère comme tel jeu tu ou tel jeu, veux. c'est tout ça quoi, qu'est-ce qui fait qu'on est amoureux du jeu. Après, ça veut pas dire qu'on n'aime pas d'autres jeux à côté, mais ce jeu se démarque par rapport aux autres, hein. Il suffit de voir mon étagère. Il y a aussi du potentiel, quoi. Ouais, ça aurait suffi de voir ton étagère, effectivement. Parce que sinon, j'ai quelques autres goodies, quoi. Mais très peu. C'est surtout une passion qui vous a réuni, on va dire, en deux mots. Hein. Puis, vous avez voulu faire partager votre passion, et puis ben voilà, quoi. C'est ça. Voilà. On va dire ça comme ça, je pense que ça sera plus Je vais simple. te dire, quand Assassin's Creed 2 est sorti, moi j'étais en première S, hein, pour préciser, par rapport à GFX et UU, et j'ai redoublé ma première Ouais. S, donc bon. Après, voilà. Bravo! Bravo! Non, on va pas la Après redoubler. Brotherhood. Là, je me suis dit, cool, l'année où je suis ma première année de prépa, il y a Assassin's Creed 3. Bon, Voilà, vous voilà. savez pourquoi il a redoublé à cause d'Assassin's Creed 2. Bravo. Voilà. Voilà. Donc,
Connaissez-vous les, enfin, connaissiez-vous les assassins qui, et puis les Templiers avant de jouer au jeu AC? Non. L'histoire des assassins et tout Les Templiers, Enfin, les ouais. Templiers, un petit Les peu, peut-être. Templiers, Templiers, ouais. ouais. On en parle pas Ouais. mal, ouais, quand même, à Templiers, l'école, ouais. hein, et tout ça. Les croisades et Ouais. tout, oui. Croisade et tout, Ouais. ouais. Après, les assassins, bon, il y a une vague notion, mais après, c'est pas du tout la même qu'on voit dans Assassin's Creed, hein. Bah, ils ont existé, mais ils ont disparu. Ouais, c'est ça, j'en ai entendu parler vraiment après, quoi, quand c'est devenu populaire avec le jeu, quoi. Quand on a commencé à parler des Ashishin et tout. Mais avant, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ok. Assassin's Creed a-t-il totalement changé votre vie associée avec YouTube? Avec Bah YouTube. ça prend du temps si c'est associé avec YouTube, mais Associé avec YouTube. je comprends pas trop la question en fait quand il dit. Ouais, Moi j'ai pas compris si demande que si ça a affecté notre vie IRL ou notre vie justement YouTube, enfin. peut-être votre vie YouTube, à mon avis, je pense qu'il veut parler associé avec YouTube, c'est par rapport à votre vie YouTube. Pour GFX, il a créé YouTube, enfin il a Bah créé sa ouais, bah chaîne pour pour GFX, Assassin's ouais, Creed, c'est un donc. petit peu essentiel, ouais, donc. Enfin, c'est. The life on YouTube. Enfin, in Moi YouTube, c'était donc. Only YouTube, donc enfin Only Ouais. AC, pardon, donc Ouais. moi ça a rien Bon, changé de pour toi, spécial. carré, bah oui, ouais, pour toi, c'est normal. Bah, pour Uyu aussi, sans Assassin's Creed, il serait pas là, quoi. À la base, on s'est rencontrés sur un forum et il se retrouve Ouais, admin c'est de la vrai. chaîne et voilà, quoi. Bah, je pense que c'est Assassin's Creed, de toute façon, qui nous a réunis. Il n'y a pas autre chose à Ouais, c'est dire, hein. possible, j'espère qu'on a créé une chaîne communautaire, hein. Oui, voilà, Ouais. c'est carrément Pourquoi ce ça. jeu et pas un autre? Bah, parce qu'on C'est s'aime, lié à quoi. la question précédente. Ok. C'est Donc, dernière question. Comptez-vous créer une team assez haut sur le multijoueur? Ah non. Non. Non, Alors absolument pas. j'explique déjà, je suis chef du clan Les Prophètes où il y a Yuyu. Voilà. Donc il y aura pas de deux clans, je serai pas dans deux clans différents. C'est juste une équipe d'administrateurs. Voilà, on peut jouer ensemble quelquefois, mais c'est pas pour autant qu'on ait une team Oui. officielle entre guillemets assez haut. Non, non. Voilà. De C'est toute façon, après, donc je pense que Hachi, il est un peu comme moi. Bon, Hachi, bon, sur PS3, je crois qu'on a peut-être joué une fois ensemble, mais. Moi, déjà, enfin, j'avais déjà dit, je joue très peu, et moi, je suis un peu un mec, enfin, je suis pas anti-team, mais un jeu vidéo, quand je joue aux jeux vidéo, c'est rarement pour la compète, enfin, j'ai joué une seule fois pour la compète, sinon, c'est vraiment pour Ouais. s'amuser, donc, Donc du coup, voilà. moi, je joue avec des amis quand ils sont là, si j'ai envie, et donc, pour moi, il n'y a pas de team, et donc, assez haut, ça pourra pas se faire. En fait, moi j'aime bien. En fait, c'est pas que j'aime pas les teams. Je suis toujours avec des potes quand je suis sur la Xbox en groupe d'amis. D'ailleurs, même dans certains jeux, je vais pas dire les noms, sinon on va me casser les couilles. Je fais des matchs de team pour s'amuser. Mais quand je dis match de team, c'est vraiment t'es avec 5 potes, t'affrontes 5 potes encore à toi. Vraiment, on s'amuse entre Oui, nous. c'est. Comme Assassin's Creed, tu ferais des parties privées entre potes. Sauf que sur Assassin's Creed, je trouve pas ça très intéressant les parties privées. Mais ouais, voilà. Après, il y a toujours un esprit de compétition entre potes parce que tu veux les battre. Mais pas de là à t'engueuler avec eux s'il y a des problèmes. Ashi, tu connais pas nos parties privées sur Brotherhood avec Yuyu, Tsuyo, Yoy et moi. Ah, Bah ouais, mais si c'était vous m'invitez épique. pas, je peux Oh pas mon dieu. savoir. Moi, je suis tout seul sur Ça mon me paraît clan. logique. Tu viens pas aussi. Tout Ah ouais, seul. non. Non, non, pour le coup, sur Brotherhood, c'était. Mais quand on jouait ensemble, c'était pas de team, c'était on jouait en track, tout le monde contre tout le monde. Ça, c'était excellent. Après, oui, C'était pour le un jeu comme délire Far entre Cry 3, vous. je joue Battlefield 3, je joue régulièrement avec les mêmes personnes. Mais team assez haut, non, effectivement, GFX a dit, elle est prophète et. Ouais, mais de toute façon, C'est moi déjà les bien. teams, je le dis, je supporte pas ça, même pas par rapport au fait de la compétition et tout, c'est juste le mot team. Oui, J'étais voilà, ouais, moi aussi ça avec me pas dérange mal un de peu. personnes avec qui j'ai vraiment sympathisé, et dès qu'ils sont dans une team, ils commencent à te délaisser, se concentrer sur leur team, et ça vraiment, ça m'a complètement énervé, parce que bon, YouTube, je trouve que c'est un monde abominable où tu rencontres des gens, tu sympathises avec eux, ils vont t'abandonner dès qu'ils vont trouver quelque chose d'autre. Et ça, vraiment, c'est chiant. Et t'es obligé de faire la même chose, toi, si tu veux pas que ça t'arrive. Parce que vraiment, YouTube, certes, ça nous a apporté quelque chose et tout, mais ça a du bien, mais aussi autant de mal que de bien, quoi. Vraiment, moi, ça m'a plu comme ça m'a cassé les coronesses. Et vraiment, les teams, ça. J'ai été dans pas mal de teams, hein. Vraiment, j'ai trouvé ça énormissime. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je me suis concentré que sur ça. Les potes qui étaient pas dans des teams, j'ai pas vraiment joué avec eux. J'ai pu jouer avec ma team et tout, mais c'était plus un groupe qu'on constituait qu'une team en elle-même. Mais bon, après, voilà, j'ai pas de problème avec ça, mais bon, certains pensent trop à leur team, quoi. Ouais, par exemple, moi c'est ça sur Battlefield, il y en a, ils veulent pas que je rejoigne leur escouade parce qu'ils ils font, et ouais, on est en team et tout, moi j'aime bien pouvoir changer, tu vois, Ouais, c'est jouer chiant, quoi. justement avec des amis et tout. C'est un jeu. Faut dire que c'est qu'un jeu, quoi, aussi. C'est pas de mode team, il gagne rien. Enfin, c'est comme ça, il y en a qui sont Alors, comme il y a ça. des cons, il y a des, justement, là pour le coup aussi, avec la C-League et tout, et avec Yu, j'avais formé une team avec Yu justement pour Ouais, faire un tournoi. d'ailleurs.
Sur Brotherhood, D'ailleurs, ouais. on a fait que dalle, ouais. Genre, on On a a fait fait que dalle, mais tous ça nos matchs. buguait trop. Ouais, mais on est arrivé quoi? On est arrivé en finale, non? Deux en demi, je crois. Demi-finale, ouais, bah sans rien faire en C'était fait. pour gagner, je crois, une 3DS. Ouais. Quoi? Tu C'était pas racontes pour gagner quoi, une toi? 3DS, le tournoi? Non, mais tu sais, c'était sur BH, et en fait, c'était un peu vers la sortie de BH, donc ça m'étonnerait que c'était pour gagner une 3DS. Bah, c'était Quoique. pour gagner Ah, quoi, si, alors? si! Si, si, ouais, t'as raison, 3DS, c'est un peu d'argent aussi. Ouais. Ouais, 500 Un euros. chèque. Ouais. Bah, ouais, Un je peu sais pas. d'argent, dans ce temps, Ouais. on avait fait deux concours, il y en avait un, on s'était fait démonter, parce qu'en fait, on a Genesis. disputé aucun match, et Ouais. l'autre. Enfin bon, mais Donc. en gros, moi, ça m'avait pas trop plu l'idée de compète. La seule fois où je me dis qu'il y a une compète, c'est quand je suis à la Paris Games Week et je veux poutrer les gars à côté pour gagner le t-shirt qui n'est même pas gagné parce qu'il n'y en avait plus. Mais. Non, mais pas pour le goodies, quoi. Ça. Ouais, c'est ça. Et, mais là, et quand je stresse, je fais des trucs bien en fait. Alors, faut que tu stresses Ah, tout ça le c'est pas temps, mal quoi. ça. C'est ça? Ouais. La honte. Moi, je stresse pas quand je joue à un jeu vidéo, moi. Encore heureux. Ah, bah, non, ce serait moi la peur. Non. Oh, j'en connais qui stressent. Mais bon, ouais. On va passer à la prochaine. Enfin, abonné qui est Bidule de être. Ah oui, je connais très bien. Bon. D'accord. À vos yeux, quels sont les jeux similaires à AC? À vos yeux. Les quoi? Les jeux Les similaires à jeux AC. similaires. Prince of Persia, hein. Ouais. Ouais. Mais POP, c'est Dark. l'ancêtre d'Assassin's Creed. Oui, c'est normal aussi. Et tu rajoutes un Animus et puis t'as Assassin's Creed, voilà. Ouais, et tu rajoutes un mec qui est con aussi, tu sais, Assassin's Creed. Qui Desmond. va dans l'Animus. Non, similaire. Non, non, non. Franchement, moi, alors moi, mais je peux pas parler au nom de. Enfin, je parle au nom d'autres personnes, mais Metal Gear, mais je sais pas. Enfin, les premiers MGS. Non, ça sera. Ouais. Les gens disent que au niveau de l'histoire, pas Metal Gear Rising, mais les premiers Metal Gear, apparemment. Enfin, en termes, pas en termes de gameplay ou quoi que ce soit, mais vraiment en termes d'ambiance et de complexité de l'histoire entre les épisodes, en fait. Metal Gear, c'est. Et en fait, je sais parce que Jade Raymond connaissait très bien Hideo Kojima. Jade Drummond. Et en fait, Assassin's Creed s'inspire pas mal de Metal Gear, notamment dans le fait d'avoir un combat à main nue avec le boss à la fin d'Assassin's Creed 2. Enfin, en fait, il y a pas mal de références à Metal Gear, on s'en doute pas, mais Assassin's Creed s'inspire de Metal Gear. Ah bon? Putain, je Mais suis après, j'ai pas. jamais joué à Metal Gear, Bah moi. oui. Je trouve Juste ça MGS4. bizarre. C'est comme s'il disait, ouais, moi ça me fait penser à Pokémon parce que les ennemis ils évoluent au bout d'un moment. Bah, Non, regarde, re non, regarde dans c'est. BH quand t'as le skin de. De Redden. De Redan, voilà. Ah oui, Ouais, ouais, mais pas de dans moi, ouais. MGS4, on a le skin d'Altaïr. Ouais, deux t'as d'ailleurs, ouais. C'est Et vrai, c'est vrai. après, bah Splinter Cell, mais. De toute façon, ils sont tous. Non, mais y a pas Tout est vraiment de lié, quoi. jeu Le qui se multi des Splinter Cell ressemble. double agent, c'était ce qui avait fait le succès d'Ubisoft Annecy, et ils sont partis de cette base lorsqu'ils ont. Enfin, tu vois, après, ils ont fait le multi de Brotherhood. Ouais. Bah, ouais, mais Splinter Cell, bon, c'est la même idée, quoi. Il y a même les mêmes membres qui travaillent dans les deux équipes. Après, il y a des jeux et des similitudes, quoi, mais similaire à Assassin's Creed. C'est assez compliqué, hein. Il y a des gens qui vont trouver des similitudes avec Final Fantasy. C'est unique. Ouais, c'est unique. Next. Ok. Jouez-vous à d'autres jeux ensemble? Entre vous, l'équipe de Oh CO. ouais. Ouais, il y a BF3, moi. BF3, ouais. BF3, Et ouais. dès que Yu-Yu aura Far Cry 3. Far Cry 3. Et Voilà. au tout début, Ouais. moi je tiens quand même à dire qu'avant, JFX était un fervent joueur de MW2. Hein. Et Et moi même nous, aussi, en fait. BF3, hein. Non, enfin, moi j'étais pas un vrai un Non, de fervent, Call mais. of Duty tout court. Ouais, tout Ouais, court, voilà, mais hein. en gros, au début, ta team, c'était. T'as fait un espèce de transfert justement quand t'as arrêté la FZX là, pour faire que du Assassin's Creed, mais. Ah mais n'empêche, jouer avec vous, hein. Ouais, moi aussi je faisais du Call of au début. Oui, Un un petit peu, peu, quand même. Même Tsuyo Sugiro faisait du Call of. Ouais. Ouais. On en a Putain, on est tous fait, tous on passés était obligé là-dedans, de passer quoi. par ce jeu. Ouais, c'est une Exactement. case. Incontournable. C'est une case pour devenir geek. C'est bon, je suis un gamer, je fais des vidéos, j'ai une team, je joue à Call of. Et après, quand tu découvres Battlefield, tu te dis, ah, là, c'est un jeu, ça. Et à jouer à plusieurs. Ben voilà. Donc question de Mister Yados. Yados, voilà, j'ai dit bien. Pourquoi adorez-vous la série? La série, excusez-moi. Ça c'est déjà dit ça. Ouais, c'est déjà J'étais dit. mentionné. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Ensuite. questions répétitives donc qui ont été faites. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça transparaît dans mes vidéos. Hein, Y a une bonne question. Alors, c'est une question. Mister Joke Je 971. savais.
Oh yeah, Joker! Je sais, la question c'est quoi? C'est est-ce que vous lui prenez le temps de lire tous les Non, il y messages? avait l'autre d'avant, c'était avez-vous déjà pensé à arrêter ou supprimer la chaîne? Ah mais quel pessimiste! Non, Ah, c'est un truc de malade quand même! Honnêtement, Supprimer, non. Non. l'arrêter comme ça, non. Des fois, on était en période de déprime, ça c'est vrai. Mais sinon, non. Mais enfin, l'arrêter, on pouvait pas, quoi. C'est pas. Bah, Et, y, on a eu des périodes difficiles, ça on c'est savait sûr. Il que y a eu la des chaîne périodes pouvait difficiles. marcher, mais après, ça demandait tellement de choses. Après, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est si des fois on a voulu partir. Bah, moi, personnellement, oui, ça, je peux pas le nier. Ça m'arrive plus d'une fois. Après, bon, voilà, mais bon, oui, c'est une question de temps, d'envie. Enfin, voilà, si on n'a pas ça, on peut pas Qu'on veut faire tout une faire bonne pour que chaîne. ça marche et qu'on voit que personne n'est content, ouais, ça force au bout d'un moment. Ouais, enfin, il n'y a pas que ça aussi. Enfin, bon, c'est sûr qu'il y a en grande majorité, c'est un petit peu ça. Mais après, non, c'est vrai que pour ma part, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où quand on parle d'Assassin's Creed, on pense pas forcément à Chibi, sachant que moi, je fais pas du tout de vidéo sur Assassin's Creed. Moi, vraiment, je suis là vraiment pour faire plaisir aux abonnés. Je peux pas faire autre chose dans le sens où, bah, voilà, si je fais pas de vidéo d'Assassin's Creed, je suis pas là pour ma pomme. C'est pas possible, je peux pas le faire. Si, si, Donc. attends, les gens ici, quand même un peu sympa toi. Regarde quand t'as fait la vidéo d'unboxing justement pour Assassin's Creed 3. Je sais pas, je crois que c'était 30. Non, je sais plus qui avait laissé un message en disant quand De Noir a mis Beer Shop ou quand moi j'ai mis l'unboxing, a dit ah ouais, j'aurais préféré que ce soit Hachi qui ait toutes les collectors. Bon, le commentaire C'était était un peu ton bizarre. ami De Noir qui avait posté un truc et qu'ils Oui, avaient dit bon, et en gros, en fait, non, en fait, c'était ils aiment ça. bien que tu sois dans Assassin's Creed. La façon dont tu fais salutations assassin quand tu t'habilles et tout. Ouais, mais surtout là en tant qu'orateur, j'ai envie de dire. C'est là parce que ouais, je commande bien et tout, mais après je peux que en fait, vraiment je peux que travailler sur la chaîne. Il n'y a pas le plaisir à fond à fond à fond parce que les vidéos, je les prépare mais bon, des fois j'avoue avoir fait des gourdes hein. Mais vraiment, j'en peux plus, je galère des fois. Hein. Surtout qu'ils peuvent pas tous m'aider, ma Gémeaux et tout, parce qu'ils travaillent. Donc, je suis obligé de me démerder tout seul la plupart du temps. C'est vraiment chiant. Et donc voilà, parce que moi, je suis vraiment en plus du genre perfectionniste. Si je demande un travail et qu'ils veulent pas le faire ou qu'ils n'ont pas le temps, je sais que moi, je vais le faire parce que je suis comme ça. Je sais pas, c'est un problème que j'ai et c'est un avantage, mais pour moi, je veux qu'un truc soit fait, il faut pas qu'on envoie des idées en l'air comme ça et qu'on les fasse pas, enfin, ça me fait chier. Donc vraiment, c'est un problème que j'ai, mais aussi un avantage. Mais bon, moi, quand je dis que je veux qu'il y ait un truc, faut qu'il y soit, ou quand les autres disent qu'il faut qu'il y ait un truc, faut qu'il y soit aussi. Sinon, ça va pas Ouais. bien se passer après. Après, pour aussi du perfectionnisme, moi j'étais vraiment comme ça aussi. Je me dis que dès que j'ai un truc, faut absolument que je le fasse. Maintenant, là que je suis en école avec les projets et tout, j'ai perdu un peu cette mentalité parce que quand on veut faire un truc, on a une deadline, qu'on est limité au bout d'un moment, quand t'es obligé de faire un truc et que tu peux pas faire ce qui est proposé, faut savoir trouver sa limite, hein. On va poser encore deux trois petites questions, puis bon, il y a peut-être certaines questions d'abonnés qui seront pas posées, mais bon, j'en excuse d'avance, mais c'est vrai que le temps va nous manquer après. Tu peux les poser, je suis déjà en retard, donc autant mettre en retard jusqu'au Et bout. si Hein. elles sont répétitives après, voilà, c'est Bah, un peu. vous inquiétez pas, les amis. oui, il y avait aussi la question de Seiyu qui m'en avait parlé, oui, de Mr. Joe, que tu avais vu. Prenez-vous le temps de regarder toutes les vidéos qu'on vous envoie? Oui. Alors, on prend On les le temps regarde tous après. toutes, hein. Après, c'est pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue pour l'organisation, même si c'est une idée à moi. Parce qu'en fait, on vous explique, on a une sorte de médiathèque où on pose des Ouais. vidéos, et lorsqu'on se dit, bah, il faut qu'il y ait une vidéo d'abonné, on regarde la première vidéo qu'on Ouais, a reçue. on prend le temps. Si elle est pas bien, alors bon, maintenant on répond systématiquement à tout le monde, parce qu'avant, quand on les prenait pas, on répondait pas, mais bon, c'est vrai qu'après, bon, on a beaucoup de messages comme quoi est-ce que vous l'avez pris ou pas. Et c'est vrai qu'en plus, c'est pas évident vraiment de dire à une personne, non, on peut pas, quoi. Et des fois, quand c'est vraiment médiocre en plus, mais. Même Ouais, ça, on essaie de dire ce qu'il faut pour la corriger, des mais fois on bon. est obligé pour pas qu'il refasse les mêmes erreurs. Mais vraiment c'est compliqué quoi de dire ouais désolé elle C'est est de la pas merde. prise et tout. Ouais non pas comme ça quand même. Hein. Non mais vraiment c'est moi ça me fait mal au cœur parce que c'est vrai que je m'attache tellement aux personnes et Là, j'ai tout. galéré pour une J'aime pas personne, avoir des c'est. problèmes avec les autres donc même la personne la plus pète couille au monde je sais pas non vraiment j'ai du mal à être méchant avec les gens à part bon si c'est une question Non, mais de il y en a vengeance. des fois, punaise. Il y en a, franchement, ils abusent, quoi. Franchement, t'as juste envie de leur gueuler dessus. Même en message pour leur répondre comme quoi la vidéo n'est pas prise, La mais pire vidéo qu'on ait reçue, c'était Le mec quelqu'un qui connaissait avait même pas le filmé. prénom Ouais, du ouais. héros, quoi. Il y en Assassin's a Creed 3, il l'a qui tué, lui, connaissent c'est pas, de ouais. Victor, les mecs, hein. Ouais, il y en a qui sortent Non, du mais Victor et même. tout, c'est Il y a horrible. un internaute qui va être content parce qu'il y avait un internaute de Twitter qui nous a demandé pour vous quelle est la vidéo la plus marquante que vous avez envoyée. Je pense qu'on a déjà la réponse.
Alors, il y en a deux. Alors, la plus impressionnante, bien évidemment, c'est celle de notre ami Neoximus. La sculpture qu'il a faite, elle était magnifique, quoi. En Ouais. plus, il m'a dit qu'il comptait faire une deuxième. Ouais, il fait une deuxième. On prend ta vidéo, c'est vrai que moi je trouvais que c'était un petit peu long juste pour montrer. Enfin, tu vois, pour le coup, il aurait pu un peu abréger, tu vois. Et il a voulu mettre des effets partout et au final, tu vois. Enfin, Après, il est pas là, niveau du enfin, montage, ouais. il a essayé de faire des trucs, mais c'est vrai que la sculpture est magnifique. C'est Oui, YouTube, celle après, il prend des de. photos. Excuse-moi. Ouais, celle de Néo, que bah, je connais d'ailleurs, Néo Tsimi, c'est ça? Allô? Oui, c'est Oui, ça. oui, oui. Et oui, bah, oui, c'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai que, ouais, comme vous dites, ouais, peut-être que la vidéo était peut-être un petit peu trop longtemps, peut-être raccourcie un petit peu, mais c'est bien quand même, quoi. Enfin, voilà. Bah, Et la après, ça manque pas deuxième. d'originalité, hein. C'est vraiment innovant, quoi. Jamais, Bah, personne d'autre fera ça à part lui, je pense, carrément. il est passé sur la page Assassin's Creed sur la page, Ah oui, ouais, on soit non. passé, ouais. Ah, mais il en a bien chié pour passer dessus Ouais, quand même, hein. ouais, Il en a bien ouais, mais chié. non, mais vraiment, je le félicite parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment énormissime. Même nous, on peut pas. C'est notre supérieur. Même nous, on pourra pas faire un truc Ouais. meilleur que lui. C'est Bah, pas possible. c'est un peu son métier aussi, je crois, à la base, donc. Mais non, mais Ouais, c'est vrai c'est qu'il y a vrai. Non, mais il a des bien. pas mal de trucs, ouais. Il a bien bossé. Et la deuxième plus marquante alors, que vous aviez à Après, il y a des dire? vidéos marquantes. Bon, après, c'est pas les meilleurs au monde, mais non, moi j'avais bien aimé. Il y en a qui font du bon travail, je vais vous dire. Bah, il y a Neoximus. Il y avait. Alors, j'ai toujours du mal à dire son nom. Je crois que c'est Rukizuta qui avait fait un assez beau montage, vraiment, qui a rapporté pas mal de vues à la Assassin's Creed Origins. Parce que vraiment, ce qu'il faut voir dans un montage, c'est la musique, incorporer des effets, Putain, choisir c'était un montage les sur bons Ezio, non? moments et tout. Il faut vraiment. Ouais, Ezio Chronicle, je crois que c'était. C'était vraiment un assez beau montage. Il y a tout qui collait à l'intérieur et tout. Vraiment, après, il y a même en multijoueur, dernièrement, la vidéo qu'on a reçue de Drapeau était bien. On sent qu'il a Ouais, ah ouais, travaillé. putain. Il a expliqué le mode et tout, on Ouais, sent qu'il a Drapeau, pas dit c'était les bien trucs fait, comme ouais. ça. Drapeau, c'était très bien, Des franchement, bah, je vidéos dis comme ça, chapeau il au en gars, parce faut, que. quoi. Je pense vraiment qu'à la fin, on Ouais. peut même peut-être mettre les trois vidéos qui sont bien, quoi, pour montrer vraiment ce qu'il faut faire dans n'importe quelle catégorie. Bon, après, on va pas vous Moi demander j'ai de faire bien une aimé le sculpture montage toutes les de semaines, mais. Nezuko sur le trailer de la CO là, Oh, ouais, non, mais Néo, il fait le du bon premier travail trailer. aussi, hein. Oui, Néo, Y a rien qu'on à dire. salue Ouais, d'ailleurs. En ce moment il est en non. pause d'ailleurs. Y a rien à Mais en dire. tout cas, Drapeau, je tiens à le remercier parce que franchement, quand on a reçu la vidéo, on était pire qu'étonné. Donc si tu regardes la vidéo, merci beaucoup. Après, ouais. C'était un truc de malade quoi, Vraiment, franchement. faire des vidéos qui divertissent et tout, ça peut vous rapporter que du bon parce que même moi, à la base, je peux vous dire, j'étais un abonné. J'étais comme ceux qui postent des vidéos. Donc, c'est en faisant des vidéos qu'on m'a dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, viens avec nous. Donc, bon, je veux pas dire que systématiquement, vous rentrez dans la Assassin's Creed Origins comme moi. Mais je veux dire, on pourra vous contacter si on a des projets, on a besoin d'un bon commentateur et tout. Donc, vraiment, c'est aussi bon pour nous que pour vous, quoi. Il faut travailler et vous verrez, ça vous Il rapportera y avait pas une mal de choses. vidéo marquante, enfin qui m'avait marqué aussi, c'était drôle. C'était celle où il jouait à deux sur une manette là. Ah oui, ouais, celle d'Alexis. Ouais, Ouais, les petits défis c'était à la con Alexis. comme ça aussi, c'est sympa. Ouais. Vous avez toujours des choses à faire, hein, des Ouais. petits défis entre potes. Vraiment, vous pouvez jouer entre potes, hein. Mais après, que ce soit pas genre un pote qui vous regarde et qui sait pas quoi dire. Enfin, il sait pas. Enfin, il se fait chier, quoi. Mais sinon, il y en a qui nous ont marqué en moins En bien aussi. mauvais, Enfin, il y en a ouais, où en tu vas à la mauvais, ouais, télé parce que. filmer, tu vois. Non, mais je parle pas de ça, c'est qu'il y en a un, je crois, filmé, bah, avec un HDPVR, bon, c'est normal, quoi, bon, voilà, qualité vidéo, bien, le son aussi, mais le mec ne connaît rien, Assassin's Ouais, Creed. en fait, il y a ceux qui passent juste Alors pour là, passer, quoi. mais. Putain, mais il m'a tué ce jour-là, quoi. Le gars fait, bon, on se retrouve sur une vidéo sur Assassin's Creed 3, et on joue avec le personnage, alors comment il s'appelle? Ah, merde. Alors, déjà, jouer à un jeu, on sait même pas comment le héros s'appelle. Déjà, même le contexte historique, limite, t'as l'impression qu'il connaît pas. T'as l'impression qu'il est content parce qu'il a, on va dire, un langage Call of de Oui, voilà, Akimbo, hein. tu devines Voilà. pourquoi il est là. Tu sais que sa chaîne, ça sera pas du Assassin's Creed. Le coup du Akimbo, là, Non, tu mais es. putain. Non, mais je Oh vois ce qu'il veut non. dire, dans le sens, ouais, non, vraiment, les gens qui font des vidéos, ils se disent, tiens, il y a une chaîne communautaire, je vais faire une vidéo là-dessus, même si c'est, je fais pas du Assassin's Creed, principalement. Comme ça, le mec, il gagne quelques abonnés, et puis voilà. Et il travaille même pas sur sa vidéo, et ça, je trouve ça scandaleux, quoi. Parce que nous, on doit se la taper, la vidéo, quand même, hein. Donc, quand elle est chiante Ouais, et qu'elle c'est ça le dure une problème. demi-heure, merci, quoi. Comment dire? Il y a chez lui, ça se trouve, il a voulu se suicider en voyant la vidéo. Non, 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 mais c'est bon. des fois, faut pas abuser. On a reçu les 2 derniers mois, je pense, une vingtaine de vidéos. Il y en a 5 ou 6 qui étaient bien. C'est même pour ça qu'il y a un projet quoi qui va être annoncé dans pas longtemps, à cause de ça. Et puis voilà, non, mais vraiment, parfois, mais s'il vous plaît, regardez les vidéos qu'on fait, on a fait pas mal par rapport à la qualité, le matériel qu'il faut. Vraiment,
pas mal de vidéos, faut suivre à la lettre ce qu'on demande. Parce que des fois, il y a des questions. Stop! Dans n'importe quelle chaîne communautaire, il y a des explications. C'est obligé. On peut pas dire, Ah, allez, c'est on fait ça. une chaîne En communautaire et plus, on après, a on un engueule site ceux quand qui même. sont Hein. mauvais. Et ouais, site, mais même, et comme ce que j'avais dit sur Facebook la dernière fois, quand vous regardez une vidéo de la CO, surtout si c'est une annonce, regardez-la jusqu'au bout et retenez ce qui est dit. Parce que c'est pour regarder juste ce qui vous intéresse et ensuite partir et pas écouter donc les choses importantes, ça sert à que dalle. Ou sinon, vous regardez tout en entier et vous retenez rien. Ça aussi, bon, faut éviter quand même. Parce Une fois, on mettra que. le contenu par écrit, comme ça au moins c'est clair, mais en Ouais, général, il voilà, lit parce sur que. Facebook. C'est sûr que moi je sais que. Enfin bon, c'est pas grand chose que je suis aujourd'hui, c'est un interview, mais bon, j'ai fait un minimum d'écriture, j'ai fait. Donc ouais, si on n'est pas préparé, ça sert à rien, quoi. C'est même pareil pour les Wakfu, quoi. Si tu connais pas minimum ton jeu, Ah vaut oui, mieux ça pas le c'est faire, sûr. quoi. Clairement. Tu peux pas, Ça, ouais. je suis. C'est vrai qu'on dit c'est facile, faut un HDPVR, machin. Oui, faut un HDPVR, faut avoir une façon de parler, faut préparer, faut connaître son jeu sur le bout Ouais, des c'est ongles, sûr. j'ai envie de dire, hein, parce que, bah, comme toi, Majemo, pour AC2, limite AC2, tu te connais comme ta poche, quoi, hein, C'est c'est pour ça vrai. que pour Libération, je serais en difficulté, mais bon, pour si ça va être un let's play, parce que j'ai Ah, jamais mais fait je de peux let's t'aider, hein. play. Lui, Ouais. Enfin, puis tu vois, genre pour Révélation, pour me remettre dans le bain, j'essaie de lire le roman en parallèle, tu vois, pour apporter des informations en plus. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Pour Libération, où je connais rien. parce que je sais que j'ai même vu des fois, je pense que c'était à Chibi, s'énerver un peu, enfin pas méchamment, mais contre certains abonnés et tout. C'est normal qu'on lui demande de faire, par exemple, le Wakfu, tout ça, enfin bon, voilà quoi, c'est. Enfin voilà, quoi, ça c'est autre chose, et puis, enfin voilà quoi. Let's Donc on va play, j'ai passer à la été dégoûté. question Hein. suivante, parce que en plus, moi je suis Vas-y. appelé derrière, donc il va falloir que je finisse vite. Désolé les Vas-y, amis. vas-y. Vas-y. Quel lieu préférez-vous parmi les 5 opus réunis? Quel lieu préférez-vous parmi les 5 opus? Venise. Venise? J'aime beaucoup C'est une Venise. question, excusez-moi, de iYoYo TV. Ah Je oui. préfère Ah oui. Rome, moi. Rome. Alors là, moi, Damas, parce que déjà rien que la première fois qu'on arrive Y là-bas, arriver. c'était juste magnifique, quoi. Alors franchement, Damas, moi, c'est celle qui m'a bien plu. C'est très belle. Chibi. Et toi, Majimo? Bah moi, Ah, Venise. ah oui, Venise et Majemo. Moi, ouais, j'irai Venise aussi. Ok. Et GFX, bah tu l'as dit, oui, c'était. Ouais, j'avais Oui. dit Rome ou Jérusalem. D'accord. Donc une question, donc Assassin's Primus. Creed 3, évidemment, il se fait niquer, mais bon, c'est normal. Ouais, mais en même Sur temps, je suis l'intérieur. désolé. Je pense même que c'est ça qui m'a déçu dans le jeu, c'est complètement. C'est l'endroit, quoi, qui a été choisi et tout. J'aime pas du tout l'ambiance, l'environnement, je trouve pas ça intéressant. Mon œil, il s'excite pas, tu vois, quand il voit. Non, mais et ça existe cette expression, ma pupille ne s'excite pas. Oui, t'inquiète C'est pas pas. parce que je dis excité que. D'accord, ok. Et. Non, non, mais c'est Question pas sur ça, c'est ça. juste. Non, mais parce que. Non, mais moi, quand je vois un jeu, faut que ce soit beau, que j'ai envie de me balader tout nu là-dedans, tu vois. Non, Oh, il y a c'est. trop de références là. Ouais, Il y a des Trop enfants à d'images. Chibi, il y a des enfants, voilà. Ah oui, excusez-moi, excusez-moi. Allez, bon, ouais, prochaine question, vas-y. JK WhiteBR, je sais pas si je le prononce bien. Combien de vidéos recevez-vous en moyenne? Enfin, en moyenne. Ouf. Là, c'est la crise. Par Voilà. mois, je pense qu'on en reçoit peut-être 7, 6 ou 7. C'est en moyenne, ouais. Ouais, environ. Après Il y a des des bonnes périodes où on vidéos, reçoit plein et d'autres non, enfin. ouais, ça dépend, mais en moyenne, ouais, 6 ou 7, je pense. Mais Des bonnes vidéos, on en les reçoit bonnes 0,5 vidéos, on en en fait. reçoit une ou deux, ouais, c'est pas évident. Ça dépend des moments, quoi. 0,5. Aussi. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des vidéos nous-mêmes, des fois, en faisant des annonces et tout. Et une petite préparation derrière pour combler le vide, parce que des fois, pendant une semaine, il n'y a rien, quoi. Parce qu'on sait pas quoi poster, et des fois, on s'obstine, enfin, on s'oblige à poster des vidéos, et on voit qu'il y a plein de pouces rouges, donc autant mieux rien poster, quoi, et attendre qu'on ait une bonne vidéo. C'est sûr. J'ai Stipley qui fait une référence au thème de la religion qui est beaucoup omniprésent dans Assassin's Creed. Et Ouais. moi, déjà, j'ai envie de commencer. Est-ce que cela vous semble-t-il trop présent dans le jeu? La religion? La religion. Ouais, la Religion. religion, oui. Assassin's Creed, c'est ésotérique, c'est pas au Ouais. contraire. Mais le thème de la religion, je trouve qu'il est bien traité quand même dans ce jeu. Hein. Au Bah ouais, niveau mais il est des surtout. assassins C'est un peu et tout. facile, mais. Enfin, Ouais, facile. bah oui, c'est sûr, mais bon, Mais il je est trouve que. traité vraiment que dans bah, AC2, BH, et voilà, je Ouais, crois. surtout avec Oh. Ezio quand même. Et Altaïr, tu t'en doutes par rapport bah, au fait qu'il soit Ouais, musulman, mais Altaïr après. normal, mais. C'est au niveau ouais, du fait que c'est un petit peu Oh, bizarre. en fait, dans le 1, c'est vraiment historique. C'est vraiment Oui, voilà, c'est ça. les trois civilisations.
Enfin, trois civilisations même pas, non, il y en a que, enfin, il y en a deux surtout, hein. Il y a surtout les Ouais. croisés et les Sarrasins, et, enfin, Sarrasin. surtout, voilà, enfin, Acre et Germanique, bon, Jérusalem, c'est plus les chrétiens et tout. Dans le 1, c'est très historique, dans le 2, en fait, c'est simple, hein, dans le 2 Hébreux de Rhodes, le pape, enfin, toute la chrétienté, c'est juste une couverture pour les Templiers, donc c'est un peu facile. Mais c'est aussi un peu dans le contexte historique parce qu'effectivement les Templiers c'était devenu un ordre militaire alors qu'à la base c'était créé par le pape. Donc c'est pour ça. Donc moi je le trouve pas trop présent, je trouve qu'il est ouais, juste à la hauteur. Bien utilisé. Ouais. Est-ce que vous faites partie d'une association religieuse ou avez-vous une croyance? Oula. Je dirais rien là-dessus, moi. Ouais, on est sur YouTube, vaut mieux. Ouais, moi aussi, je dis rien du tout parce C'est la que. question du style ça qui posait, mais c'est vrai que c'est pas qu'on paye pas Japon, mais vu, ouais, vu qu'on est sur YouTube, tout ça. Non, parce que le but d'Assassin's Creed, justement, c'est que, avec le message que tu as au début de chaque jeu, il dit que justement, bah, ils veulent pas s'impliquer dans une religion ou l'autre, et donc, bah, on va pas le faire non plus, quoi. Ouais, Ça voilà, risque de poser exactement. problème si on parle de religion, notre avis et tout. Non, plus même la question ne va apporter rien du tout à cette personne, surtout. C'est ça qui est. Donc on va passer directement Voilà. à Zenus sur Twitter. Donc déjà il voudrait, enfin moi je le sais, mais vous allez lui faire une petite. Qui fait quoi dans la ACO? Déjà. Ah oui. Oh, ça a tellement bougé aussi. Ça Ça bouge tout le en plus temps. ça va encore changer là. Donc, Ouais, ça bouge trop là. au pire, il faudra limite que vous fassiez peut-être, j'ai pensé, un petit organigramme. Enfin, faudra Mais voir. on fait tout ce qu'on peut faire en fait. Hein. Dès qu'on peut faire un truc, on essaie de le faire. Donc il n'y a pas de. Ouais, voilà, exact, en plus, c'est ça. Marche en équipe, quoi. Y a-t-il une On bonne en... essaye. y a-t-il une bonne entente entre vous? J'ai envie de répondre seulement en public. Non, je rigole. Non. Non, on s'entend très bien. Non, on s'entend Des bien. fois, je pense que je me Oui. suis engueulé avec tout le monde, mais après, bon, c'est normal, hein. T'es obligé de Non, mais t'engueuler on avec arrive les à gens que t'apprécies. s'expliquer. Mais ça se passe Ouais, mais on toujours arrive bien, à là, au final. s'expliquer. Ouais, c'est vrai. Je sais Bon, pas, parce que... Ouais. On n'en est pas encore venu aux mains et aux armes, il n'y a pas de problème. Bah, t'es donc, ah, ça pourrait être marrant, c'est pour faire une belle vidéo, un petit mort, hein. Non, Ouais, voilà, en le gros direct. sadique, un petit mort. En fait, j'ai envie de savoir si ça se Bon, transforme faut en que j'aille à reste ou il y a Montpellier, vraiment là. un. Eh, d'ailleurs, je vais à Montpellier bientôt, haha. Bon, on s'en Ben, fout, on c'est fera pas une dans la vidéo hier, vidéo. alors. C'est qui habite? Bah, Montpellier, c'est Achibi. Achibi, ouais. Achibi, ah Voilà. bah. Et puis Achibi va faire, non, non, je m'en vais, je suis pas là. Comme un Et jour je va vais te venir. tuer comme ça, on aura. Je serai un vrai assassin. Je t'attends, je t'attends. J'ai ma petite confrérie à moi tout seul. Donc on va finir sur les dernières questions Facebook que j'ai reçues ce matin de Achibi. Donc de Romain Ducasse, de nouveaux projets vont-ils arriver sur la chaîne prochainement? Ah oui. Oh, ouais. Mais on en parlera, je pense, mais la semaine qui arrive, là. On va Mystère, l'annoncer. mystère. Mais ouais, en général, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. En Quand même. général. Après, ouais, en général, parce que bon, après, il y a deux, trois trucs. Mais après, non, vraiment, en général, c'est une bonne chose pour nous et surtout une bonne chose pour les abonnés. Surtout les abonnés qui postent des vidéos, hein, donc les youtubeurs. Vous verrez pourquoi, vous aurez plus d'informations bah, d'ici quelques jours. Voilà. Donc la dernière question que j'ai reçue donc Facebook de Chimène Vasseur. Il y en a deux, déjà la première, donnez-nous un mot pour qualifier Assassin's Creed. Juste un mot. Comme ça, Je! magnifique. Non, je rigole, non, je sais pas. Ça fait limite penser à. Moi, je dirais aigle. Ouais. J'ai fixe aigle, you. Alors là, Hop, qualifier voilà, Assassin's regardez. Creed avec un mot. Voilà, bon, moi c'est. Voilà. Bah, faut un adjectif, attends, parce que. Parce que Oui, ça va, Chimène. c'est bon, hein, tu vas pas m'énerver toi aussi. Hein. Oh. Voilà. Et puis en plus, bien. Est-ce que vous entendez franchement. bien? Oui, puis sans gueule. Enfin bon. Oui. En fait, il se fout dessus là, sur la gueule toutes les minutes, tu vois. Moi, j'aurais dit doute, mais ça marche que pour le 1 et un tout petit peu pour le 3. Bah, moi, j'aurais dit liberté. Freedom, oui, ça Fraternité. marche pour le 3. Non, doute, en fait, Freedom. c'est ce qui qualifie le personnage dans le 1, en fait. Mais. Alors moi je dirais vérité, tiens, voilà. Parce qu'il y a des Liberté. vérités. Donc, you vérité, GFX, Transcendance historique. ouais aussi. Ça Bah c'est du mot voilà. ça. Et, non, mais en fait, non, vraiment, non, je retire ce que je dis doute. En fait, c'est le gros mot principal en fait pour tout, c'est ésotérisme. Là, t'es sûr de. Ça prend le contexte global de la série, quoi.
Ça c'est sûr. Et donc pour On finir. mettra une définition hein, sur la vidéo, définition de ésotérisme, vous inquiétez pas. Donc pour Ah, finir. Ah ben, excusez-moi, allez-y. bon, ok, vas-y. Donc, Dernière non, question. On est là pour donner des cours de français. Non, c'est. Puis donc pour finir, dernière question de Chimène Vasseur. Avez-vous une petite copine? Oui. Une petite copine, bah, ou. Non, pas en ce moment. J'aime bien le temps de réflexion de You. Est-ce que je suis vraiment Non, mais en fait. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que je l'aime vraiment ou c'est Non. juste un petit passe-temps? Je sais Un petit pas. peu Bon, c'est baston. vrai que je vais au culte parfois, mais bon. Ah! Peut-on C'est mercredi considérer à ça Saint-Valentin, non? vraiment C'est comme pas. une petite copine? Je ne sais pas. Non. Non, j'avais. Ben, moi, personnellement, non. C'est pas que je n'en veux pas, mais c'est que c'est pas évident de trouver une assassin à nos côtés qui. Voilà. Hein? Une assassine. Voilà. Oui, voilà, Ah, qu'est-ce que je me suis fait calme-toi, prendre Chibi, là, mais. calme-toi. Non, mais là, je suis pas en mode. Non, je suis calme, t'inquiète, ne t'inquiète pas. Non, mais bon, c'est vrai, quoi. C'est déjà le manque de temps par rapport à Assassin's Creed d'origine. Eh ben, ça m'empêche de trouver l'âme sœur. Donc voilà Ouais, moi ce que c'est j'en pareil veux. d'abord. J'en veux. On est trop J'en occupé veux. avec ces jobs pour Ah non, mais c'est sortir. pour ça, Non, non, mais franchement, c'est le problème, c'est même pas ça, c'est non, c'est moi j'ai un problème avec les filles dans le sens où, ben voilà, à Montpellier, ben ma Gémeaux, quand tu viendras, il n'y a pas que t'auras peur. des pures, on va dire. Il y a des impurs. Il y a des Ah, je sais, impures. t'inquiète pas, je sais, je Non, sais. mais c'est chiant vraiment, parce que voilà, ça aurait été bien en plus qu'il y ait, voilà, des. Ouais, non, mais voilà. Non, mais bonjour, au revoir, poil, je Ouais, supplie. voilà, au revoir, bonjour, ouais, Voilà, ça non, mais ira. voilà. C'est. Ouais. Quand on parle de filles à Chibi, ils se sentent plus. C'est ça. Bon, ben. Surtout que, je veux juste dire un truc quand même. Je passe beaucoup pour un pervers, c'est vrai pour les vidéos, mais il faut savoir quand même que je respecte énormément les femmes. Même une fille que je, qui a mon âge, que je ne connais pas, je vais la vouvoyer. Je ne vais même pas la tutoyer. Je sais pas. Pour moi, c'est une espèce supérieure. Mais bon, sur les vidéos, Une non, mais je sais espèce. pas. J'ai Ouais, faut un pas trop très leur gros dire ça, faible. tu vois, parce Non, qu'après. mais j'ai un très gros faible pour les femmes, je l'avoue. Et puis Ouais. voilà. Bah Donc bon, voilà, je. bah donc on en a fini pour l'interview. Puis je vais vous libérer parce que. Puis moi aussi je dois me libérer. Je dois libérer. Donc bah je remercie GFX, Ben de Yuyu, rien. Mais de Hibi, et rien. puis Majemo, l'équipe de la CEO de nous avoir consacré du temps. Et merci à toi de nous avoir Merci à toi, ouais. interviewés. Ouais, bah bon, Exactement. puis ouais, puis, donc ouais, j'ai vu, ça fait plus de 2 heures, donc ça va être pas mal. Youpi! Ouais! C'est pour moi. Bon. Ouais, mais ça va très Et vite, encore, c'est on vrai était que qu'on trois, hein. s'entraîne facilement, mais bon, bah, surtout merci à Chibi pour les détails qu'il y avait besoin de savoir pour enregistrer, enfin, pour l'enregistrement et tout ça. Et donc, bah, je vais laisser sur cette phrase que tout le monde connaît, rien n'est vrai, Tout est tout est permis. permis. Ouais. Bon, bah, ciao, à plus tard. Salut à tous. Salut, Ciao, ciao. salut. Au revoir.